الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. Mes très chers frères, on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de nous réunir une fois de plus dans une de ses demeures afin, s'il nous le permet, subhanah, d'élargir nos connaissances concernant ses pieux serviteurs. Ceci dans le but d'avoir un aperçu de leur vie et des moments importants qu'ils ont vécu, les épreuves qu'ils ont dû surmonter, les objectifs qu'ils se sont fixés et surtout les degrés qu'ils ont atteints. On m'a demandé de vous parler de grands savants. Vous connaissez tous Cheikh Abdel Karim Al-Khudayr, hafidhahullah, un des savants de Riyad. Il a été invité pour donner une conférence sur qui avait comme titre l'adoration des savants. Alors, avant de commencer son discours, il a dit une parole que tous les frères qui l'ont écouté ont eu la même réflexion dessus. Il nous a laissé sans voix. Il dit, Hafidhahullah, qu'en fait, quand il est arrivé, ils nous ont juste dit, prépare-nous quelque chose ou bien tu vas nous faire un dars. Il ne savait pas de quel sujet il s'agissait. Lorsqu'il a su, mais comme il avait déjà accepté, il ne pouvait pas se rétracter. Il a dit, sinon j'aurais refusé de faire une telle conférence. Il a dit, c'est comme si on demandait à quelqu'un d'avare de parler de quelqu'un de généreux. Là, je rapporte ces paroles à lui. Comment une personne comme moi pourrait-elle vous parler des adorations des ulama? Alors moi, je répète plus ou moins ce qu'il dit. C'est sûr que le fait de parler des savants, c'est bénéfique dans de nombreux points. Mais c'est très dur pour celui qui a amené, celui qui est chargé de préparer un tel discours, de déjà le préparer, et surtout de le dire aux gens. Là, je suis devant vous en train de vous parler. Vous allez écouter, Inch'Allah, ce que je vous ai préparé. Et moi, pendant que je recopiais tout cela, je me disais, moi, je veux dire ça aux gens. Je veux dire, Cheikh, il était comme ça. Et moi, je vais vous dire ça. Wallah, Cheikh Saab, c'est difficile. C'est difficile de lire ces histoires. Et c'est encore plus difficile de les répéter. Sallallahu ta'ala, tawfiq wa sadad. Un des savants
qui a le plus attiré mon attention, d'après la courte connaissance que j'ai des savants de l'islam, et le très peu, j'ai pas beaucoup lu de la Maktab al-Islamiyya, comme ils l'appellent, mais de ce que j'ai pu lire, celui qui a le plus attiré mon attention, c'est Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Ou Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. ولشدة محبتي لهذا الشيخ أحببت أن أسرد لكم بعض ما تعرفت عليه خلال قراءتي لبعض كتبه ولبعض تراجمه. Donc en fonction de l'énorme affection et amour que j'ai envers ce savant, rahmatullahi alayh, et du peu de livres que j'ai pu lire lui appartenant, ou bien des quelques biographies qui lui ont été faites, j'ai voulu vous en faire plus ou moins part. Premièrement, concernant son nom, sa kunya, Abu Abdillah, kana yusamma Shamsuddin. Shams ad-Din. Sinon, son prénom, c'était Mohammed. Différence entre le laqab et l'ism. On a la kunya, on a le laqab et on a l'ism. Taïb, sa kunya, Abu Abdillah. Shams ad-Din, Mohammed, Ibn Ayyub, Ibn Abi Bakr. Ibn Abi Bakr, Ibn Ayyub, Az-Zur'i. Thumma ad-Dimashqi, Al-Hanbali. Al-Mashhur, Ibn Qayyim, Al-Jawziyya. Et pas comme beaucoup le confondent, du moins se trompent, Ibn al-Jawziyya ou bien Ibn al-Jawzi. Tu peux l'appeler soit Ibn Qayyim al-Jawziyya ou bien Ibn al-Qayyim. Mais tu ne dis pas Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Taïb. Pourquoi il se fait connaître sur ce nom-là, Ibn Qayyim al-Jawziyya, puisque le père de Shamsuddin Muhammad, qui s'appelait Ayyub, était Qayyim d'une école qui s'appelle al-Jawziyya. Cette école, elle est à Damas, en Syrie. Elle a été fondée par le fils d'Abu al-Faraj, Ibn al-Jawzi, al-Ma'ruf, sahib, talbis, iblis, وغيرها من التصانيف النافعة رحمه الله. Donc cette école-là, elle a été fondée par le fils d'Ibn al-Jawzi, d'où son nom de al-Jawziyya. Et son père, donc le père d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, s'appelait Ayyub, il était le directeur, le gérant de cette école. Quand il dit al-Qayyim ala al-Shay, c'est celui qui s'occupe de ses affaires, qui s'occupe des affaires de la chose. C'est lui qui gérait l'école, que ce soit les inscriptions, les cours, les fournitures, les besoins, tout ce qui avait un lien avec cette école. Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahmatullahi alayh, est né le 7e jour du mois de Safar, en l'année 691 de l'Hégire. Il est né le 7e jour du mois de Safar, en l'année 691 de l'Hégire. Je ne suis pas très fort en maths, mais à peu près 691 fois 2, ça fait 1300 et quelques. Et ce n'est pas loin de l'époque à laquelle nous sommes. Nous, on est en 1430. Donc, il est presque dans une période intervalle entre Al-Hijra al-Nabawiyya, ala sahibiha afdalu salatu wassalam, et nous. Donc, comme nous, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, n'a pas eu
le privilège de voir le prophète alayhi salatu wassalam, ni de voir les sahaba radiyallahu anhum, ni de voir les tabi'in, ashab al-qurun al-mufaddala, ceux qui ont peuplé les meilleurs siècles. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'atteindre ce rang que nous lui connaissons aujourd'hui. Taban al-Jawziya, cette école dont son père était le gérant, le directeur, est la première école dans laquelle Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a commencé l'étude, l'apprentissage de la science. Il a commencé très jeune. Il a commencé à 7 ans l'apprentissage de la science. D'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude de lire dans les biographies des grands savants, ils se rendent compte, en général, qu'ils commencent talab al-ilm très jeune et ils commencent par apprendre al-Qur'an à un point où ils finissent de le mémoriser à un âge très précoce, pour la plupart d'entre eux avant qu'ils atteignent la puberté. Hein? Et de là, mes frères, comme je vous l'ai dit hier, sachez que le but de ces histoires, c'est qu'on en tire des moralités, qu'on en tire des leçons. Que talab al-ilm, ça commence tôt. Et que la première des choses sur laquelle l'étudiant doit insister, c'est hifdhul Qur'an. Hifdhu al-Qur'an. L'apprentissage du Coran. Il a donc appris le Coran et a commencé à étudier l'arabe, notamment la grammaire. Et il a étudié de nombreux livres. Parmi ces livres aussi, et l'un des plus grands et des plus célèbres, Al-Fiyat ibn Malik, Al-Andalusi, rahimahullah. Et lorsqu'il a fini de l'étudier, il avait 19 ans. Ça veut dire qu'en à peu près une dizaine d'années, il a fini ce que le talab ilm doit étudier en arabe. Et de là, on prend la deuxième remarque, c'est que la deuxième chose que tu dois, sur laquelle tu dois insister dans talab ilm, c'est l'apprentissage de la langue arabe. C'est l'apprentissage de la langue arabe. Et qu'on ne peut pas prétendre étudier la science religieuse si on n'a pas consacré à la langue arabe quelques années d'études. Quand le Cheikh Abu Abdurrahman ibn Muqbil ibn Hadi al-Muqbil al-Wadi'i rahmatullah alayhi disait, pour les arabophones, ils doivent consacrer 2 ans à la langue arabe. Hada pour un arabi, yatakallam bil arabiya. On ne trouve pas de difficulté dans le fait de s'exprimer avec cette langue-là. Qu'est-ce qu'on devrait dire pour nous, nous qui ne parlons pas l'arabe? Ou bien lorsqu'on le parle, c'est avec difficulté, on bégaye. Ou bien on se trompe, on cherche nos mots, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Wallahi, c'est malheureux de voir une baisse de motivation, pour ne pas dire une disparition, chez les frères, dans l'apprentissage de la langue arabe. Hein? Quand on apprend que des livres, des cours sont ouverts pour que les frères apprennent ces bases desquelles ils ne peuvent se passer, les cours ils sont vides, ou bien très peu de monde. Taïb, des livres qu'on devrait étudier ensemble une fois, deux fois, trois fois, même plus, pour que ces principes de base deviennent pour nous naturels. Dhamma, Fatha, Kasra, Sukun, c'est la roue de la fortune. Tu te rappelles l'émission là? Allez, vas-y, mets. Wahada galat, wahada khata, fahish. On l'a même trouvé dans la biographie de certains plus prédécesseurs qu'ils frappaient leurs enfants quand ils se trompaient dans Dabt Al-Kalima, c'est-à-dire dans le fait de placer les harakats. Par exemple, le dire
Akeltu l'khubza, il disait akeltu l'khubzu, il se mangeait une claque. Je t'assure qu'après, il se trompait plus le petit. طيب وهذا كان معروفا عند السلف كانوا يؤدبون ابناءهم على اللحن ils corrigeaient leurs enfants lorsqu'ils faisaient des erreurs de grammaire quand ils parlaient. Ibn Qayyim rahmatullah alayhi à 19 ans, il avait fini les livres de grammaire, ça y est. Il avait fini les kutub qui étaient étudiés à son époque et notamment Alfiya Ibn Malik. Donc, comme ils disent, à bon entendeur, salut. Taïb, comme vous le savez tous, la plupart des salafs sont connus pour les voyages qu'ils ont faits pour apprendre la science. Et celui qui lit dans les biographies d'Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, il se rend compte qu'il n'a été évoqué de la part d'Ibn al-Qayyim comme voyage que vers deux destinations. Vers le Qahira, en Égypte, le Caire, ou bien les nombreux voyages qu'il a fait pour effectuer le pèlerinage, pour aller à la Mecque. Sinon, il n'a pas été rapporté qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a voyagé ici et là pour apprendre la science. Comment alors on peut répondre à cela? Tout simplement, parce qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah alayhi, il a vécu à Damas, comme on l'a dit, à une époque où cette ville était pleine de savants. Elle était pleine de savants dans tous les domaines. Ce qui a ôté à Ibn al-Qayyim le besoin de voyager pour obtenir de la science dans certains domaines, vu qu'il avait ce qu'il lui fallait autour de lui. وهذه من منة الله عليه ومن فضله له. Ça, c'est un cadeau qu'Allah Azza wa Jalla lui a fait et une grâce de lui ôter cette difficulté de voyager pour apprendre la science. Et ça, c'est arrivé à certains grands savants, même parmi les salafs, comme Imam Malik rahimahullah, comme certains biographes, du moins certains historiens rapportent de lui, qu'il n'a jamais quitté Médine. Allahumma illa idha qasada bayt Allahi al-haram li adai al-hajj ou al-umrah. Sauf s'il voulait aller à la Mecque pour faire un grand pèlerinage ou un petit. Pourquoi? Parce que le Madina, كذلك, dans le même wad', plein de savants, notamment le Fuqaha al-Sab'a, ou ba'dun minhum. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, le corrige toujours dans Talab al-Ilm, on l'a dit, il a commencé tôt, il a commencé par les sources qui sont Hifd al-Qur'an, wa ta'lim. Et on a dit qu'il n'avait pas besoin de voyager. Taï, qui sont ces chouyours? Quand on regarde dans les livres de biographie, on trouve de nombreux grands savants chez lesquels il a étudié. Je ne vais pas tous vous les citer, je vais vous en citer quelques-uns. Le premier chez qui il a étudié, c'est son père, Ayyub al-Qayyim bil-Jawziya, donc le directeur de cette fameuse école qui est al-Jawziya. Et il a étudié chez lui al-Fara'id. Al-Fara'id, ce n'est pas les obligations en tant qu'adoration, mais c'est la science concernant l'héritage. Al-Fara'id. Il a étudié chez Ibn Abd al-Da'im. Il a étudié chez Ahmad ibn Abd al-Halim, Ibn Abd al-Salam, Ibn Taymiyyah. Ce n'est pas Ibn Taymiyyah al-Ma'ruf. Taïb, c'est un autre. Il a pris de lui التفسير والحديث والفقه والفرائض والأصلين وعلم الكلام. Non, non, c'est bien Ibn Taymiyyah. Il y a un autre Ibn Taymiyyah après, c'est lui qui n'est pas le plus connu. Donc c'est bien Ibn Taymiyyah, Shaykh al-Islam al-Ma'ruf, duquel il a pris la science de l'explication du Coran,
Il a pris le hadith, il a pris la jurisprudence, il a pris la science de l'héritage, il a pris l'aslain, qui sont asluddin, usuluddin afwan, et usulul fiqh, et ilm al-kalam. Il a été chez Shihab al-Abir, ainsi que Ibn al-Shirazi, il a été chez le Majd al-Harrani, ويقال أنه قرأ عليه المقنع مئة مرة. المقنع ساليف dans le madhhab hanbali. طيب dans le fiqh. Et ils disent qu'Ibn al-Qayyim il a lu ce livre-là à son cheikh 100 fois. Il a aussi prêché lui le fara'id wal-usul وقرأ عليه أكثر الروضة. Il lui a lu la plupart du livre Al-Rawda qui est dans Usul al-Fiqh. Il a étudié aussi chez Sharafuddin ibn Taymiyyah, Abu Shaykh al-Islam, akhadha anhu al-Fiqh. Il a étudié chez le père de Shaykh al-Islam, qui s'appelle Sharafuddin ibn Taymiyyah, chez lequel il a pris la jurisprudence. On a Abu al-Fath al-Ba'labaki, akhadha anhu al-Arabiyyata wal-Fiqh, wa qara'a alayhi al-Mulakhas. Al-Ba'labaki, un autre savant, un autre professeur d'Ibn al-Qayyim chez lequel il a étudié l'arabe, la jurisprudence et l'usul. Et Ibn Muflih et d'autres. La liste est longue. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, donc il a eu cet énorme privilège de s'asseoir chez de nombreux savants et d'étudier chez la plupart d'entre eux des sciences différentes. Ce qui lui a fait aimer la science et les savants. Et notamment, le fait de réunir et de rassembler les livres. Les élèves d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans leurs biographies respectives, évoquent tous ce détail. C'est Ibn al-Qayyim, rahimahullah, aimait avoir rassemblé le plus de livres possible. Pas pour décorer sa bibliothèque, comme je le fais moi, mais pour rassembler toutes les sciences possibles et pour élargir sa vision et notamment enrichir ses connaissances. Lorsque tu lis les livres d'Ibn Qayyim, tu retournes à la fin et tu vois ce qu'on appelle al-Maraji'. C'est les livres sur lesquels il s'est basé pour faire son livre. Du moins, les paroles qu'il rapporte des plus prédécesseurs ou bien des autres savants, des poèmes et d'autres. Mathalan, Ibn al-Qayyim, il a un livre qui s'appelle Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya. Eh bien, on se rend compte dans ce livre qu'il évoque à peu près une centaine de titres différents dans lesquels il a puisé des paroles avec lesquelles il a donc enrichi son ouvrage. Quand tu lis dans le livre Ahkam al-Dhimma d'Ibn al-Qayyim toujours, il évoque une trentaine de titres différents. Il a dit qara'tu fi hadha al-kitab ma yali. Après il sortait la parole, il la mettait dans son livre et ainsi de suite. Tu prends dans Kitab al-Ruh aidan qu'il évoque une trentaine de titres d'ouvrages. Ce qui montre la largeur la richesse dans le fait de prendre des paroles ici et là, et surtout la largeur de sa culture et de sa lecture. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, donc on a dit qu'il avait comme professeur Ibn Taymiyyah, Shaykh al-Islam, Abu al-Abbas, rahimahullah. On reviendra un peu plus tard sur la compagnie qu'Ibn al-Qayyim a eu d'Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il en a le plus retiré. Donc là, on a vu à peu près comment Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a étudié la science. Voyons maintenant quelle fonction il occupait. Premièrement, après qu'il ait étudié dans le Jawziya, l'école dont son père était le directeur et le gérant,
il y a occupé deux postes. Premièrement, il en a été l'imam. Il en a été l'imam, dans laquelle donc il faisait les prières obligatoires, ainsi que les sermons du vendredi. Ensuite, il a la deuxième fonction qu'il a occupée dans cette école, c'est qu'il est devenu enseignant et qu'il a donné donc des cours dans cette école-là. À savoir, Ibn al-Qayyim rahimahullah a commencé l'enseignement très tôt. Il a commencé à enseigner très tôt. Il faut savoir, comme on va le voir ensuite donc concernant le fait d'écrire des ouvrages, que ce genre de fonction, que ce soit l'écriture ou l'enseignement, sont en général réservés à des personnes d'un certain âge. Ce qui prouve qu'ils ont une certaine maturité et une certaine expérience. Mais ce n'est pas absolu. Il existe certaines fois ce qu'on appelle des exceptions qui confirment la règle. Des personnes d'un âge assez bas, mais qui sont équivalents en science, en maturité et en expérience à des personnes qui les devancent de dizaines d'années. Et ça c'est connu, même chez les sahaba radiyallahu anhum, hein, quand le prophète alayhi sallatou sallam il a mis Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma à la tête d'une armée dans laquelle il y avait kibar sahaba. Taïb, et aussi le athar Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu faisait assister son fils Abdullah ibn Omar dans des assises dans lesquelles il y avait les grands compagnons, ainsi qu'Abdullah ibn Abbas, les compagnons qui étaient des jeunes, et d'autres. Ala kulli hal. Ensuite, il était aussi connu pour Al-Ifta. Donc Al-Ifta, c'est le fait d'émettre des réponses dans lesquelles se trouvent des règles juridiques propres à une situation particulière. Donc il était connu pour être une référence vers laquelle les gens se retournaient pour obtenir des réponses à leurs questions, à leurs interrogations. Aussi, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, était connu pour être quelqu'un de très fort dans ce qui est le débat. Dans le fait de débattre, al-munadara. Donc al-munadara, c'est un débat dans lequel les deux parties vont débattre dans un sujet, notamment bien entendu religieux, et dans laquelle chacune des deux parties va amener ses arguments pour convaincre l'autre. Mais bien sûr, al-asl, ton hadaf, c'est al-wusul ila al-haq. Le but de quelqu'un lorsqu'il rentre dans un débat, ce n'est pas de battre celui qu'il a en face ou de le convaincre pour qu'il se rallie à sa cause. Ton but, ya akhi, quand tu débats avec quelqu'un, c'est d'arriver au haq. Et Al-Zahabi, rahimahullah, il rapporte dans la sirah du Shafi'i que lui et Ibn Hubayra, rahimahumallah, ils avaient un iqash, un débat sur une mas'ala fiqhiyya, dont l'origine est linguistique. Qala ta'ala, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. طيب, قُرُوءٍ جَمْعُ قَرْ. Les divorcés doivent patienter en elles-mêmes trois قُرُوءٍ. قُرُوءٍ, c'est un pluriel. Son singulier, c'est le قَرْ. Et les Arabes appelaient le قَرْ, du moins désignaient avec le قَرْ, soit la période où la femme a sa menstrue, ses menstrues, pardon, ou soit la période dans laquelle la femme n'a pas ses menstrues. Alors Al-Shafi'i ibn Hubayra, rahimahumallah, ont débattu sur une journée entière, chacun en ramenant ses arguments pour prouver que le qar, ça voulait dire soit les menstrues ou soit la période de pureté. Une journée après, chacun y rentre chez soi. Mais Al-Rijal Ha'oula,
C'est pas tu leur dis un dalil et ils rentrent par là, ils sortent de l'autre côté. Non, il va y réfléchir. Alors Shafi'i rentre et il se remet en question par rapport à tous les arguments que Ibn Hubayra lui a ramenés. Jusqu'à ce qu'il se dise en lui-même, il avait raison. Al-Qar, ça voulait dire At-Tuhur. Ou la Na'am At-Tuhur, ça voulait dire la pureté. Et Ibn Hubayra, en même temps chez lui, il se repasse les Adillah de Shafi'i. Non, de Shafi'i, c'est Ibn Hubayra. Il se repasse en tête les Adillah de Shafi'i. Et il dit, ah ouais, c'est vrai, finalement, il avait raison lui aussi. Al-Qar, c'est Al-Hayb. Alors, lendemain, chacun vient voir l'autre. Akhi, barakallahu fik, hafidhakallah, laqad aqna'tani bi adillatika al-qati'a wa hujajika as-sati'a ila akhirih. Chacun dit à l'autre, t'avais raison. Akhi, l'autre, il fait non, soit t'avais raison. Il fait non, soit t'avais raison. Ils ont refait un autre niqash dans lequel chacun a défendu la vie que l'autre avait la veille. Et une autre fois, avec Shafi'i, toujours, comme quoi il a eu un niqash avec quelqu'un et il a senti comme un début d'animosité lorsqu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Alors le lendemain, lorsqu'ils se sont vus, Shafi'i l'a pris dans ses bras, donc son opposant, Bayna Qawsayn, Tab'an, et il lui a dit, il ne faut pas qu'on en arrive là, al-muhim, c'est le wusul et l'al-haq. L'important, c'est d'arriver à la vérité. Et même Hatta, évite les niqash, rentre pas dans le niqash. Sache mon frère que les salafs, ils évitaient le niqash le plus possible. Regardez dans le siyar, il y a un homme qui est venu voir Ayoub Sikhtiyani rahimahullah. Il lui a dit, ya Ayoub, as'aluka an kalima. Il a mis ses dans ses oreilles, il a dit, voilà, nisfa kalima, il est parti. Il a dit, ya Ayoub, laisse-moi t'interroger sur un mot. Il a mis ses dans ses oreilles, il a dit, m'interroge même pas sur un demi-mot. Et l'imam Malik rahimahullah, il disait, man akthara tanaqush akthara tanaqul. Celui qui multiplie les débats, il multiplie les déplacements. Un jour il est comme ça, le lendemain il est comme ça, le lendemain il est comme ça. Khalli alik. Apprends ton din. Apprends tes bases. Accroche-toi aux savants les plus grands. Et laisse. Ne rentre pas dans ces détails. Et laisse-le à ceux qui sont capables de s'en charger. Hein? Ibn al-Qayyim rahimahullah, celui qui lit ses livres, il voit à quel point il avait une aisance et une facilité à débattre et à prouver de façon logique en appuyant son avis avec des textes que son avis était, pour la plupart du temps, il n'est pas ma'asoum, bien entendu, il n'est pas infaillible, était correct. Même pour celui qui a l'habitude de lire Ibn al-Qayyim, il se rend compte qu'il a une façon de mettre en avant les arguments de l'opposant tellement bien que tu as l'impression qu'il est d'accord avec lui. Exemple, tu prends Kitab Hukm Tariq al-Salah d'Ibn al-Qayyim. Le livre dans lequel Ibn al-Qayyim fait référence à la question, est-ce que celui qui délaisse la prière, il est mécréant ou non? Alors au début tu lis le livre, il te dit Adillatul qa'ilin bi kufrihi. Les preuves de ceux qui prétendent qu'ils est mécréant. Alors tu lis, tu dis, ah ouais, c'est bon, il a raison, khlas. C'est lui qui a raison. Enfin, c'est eux qui lui disent ça qui ont raison. Après, il te dit, Adillatul qa'ilin bi'adam kufrihi. Deuxième chapitre, l'épreuve de ceux qui disent qu'il n'est pas mécréant. Tu dis, bon, khlas, il n'est pas mécréant. Après, il refait un autre chapitre dans lequel réponse aux arguments de ceux qui voient qu'il n'est pas mécréant. Alors quand tu vois les réponses, tu dis, khlas. Il est mécréant. Après, réponse aux arguments de ceux qui voient qu'il est mécréant. Alors tu dis, punaise, il n'est pas mécréant. Voilà, à la fin, tu t'arrêtes là, tu dis, mais comment faut faire? Après, c'est là qu'il ramène donc le moyen de faire le lien entre les textes. Ça, c'est une chose qu'on apprend dans le usul. Comme quoi, ça c'est un asl. Il n'y a pas de contradiction entre les textes. Là, fil Qur'an, ولا في السنة الصحيحة قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن est-ce qu'ils vont méditer sur le Coran et s'ils venaient d'autres qu'Allah ils y auraient trouvé de nombreuses divergences. طيب il y a pas de تعارض ولا تناقض بين الآيات, il y a pas de contradiction
ou d'opposition entre les versets du Coran. Tout comme il n'y a pas d'opposition ou de contradiction entre les hadiths du prophète, alayhi salam, ceux qui sont authentiques. Après, il y a des moyens de faire le lien. Quand on a affaire à des textes qui, en apparence, je dis bien en apparence, se contredisent, la première des choses, si ce n'est pas du Coran, on regarde s'ils sont authentiques. S'ils sont authentiques, on regarde est-ce qu'il est possible de faire le lien entre les deux textes. S'il n'est pas possible de faire le lien entre les deux textes en faisant référence au umum ou bien au khusus, au itlaq ou bien au taqyid, au mujmal ou bien au mubayyin, ces termes qui sont connus dans usul al-fiqh, là on aura recours à ce qu'on appelle un nasr. Et la tariqa al-ma'roufa pour ceux qui ont l'habitude de lire dans usul al-fiqh. Ala kulli hal, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il avait cette particularité de faire le lien entre tous ces textes-là et de te donner le moyen de prendre un avis bien fondé dans une mas'ala, tout en ayant au préalable un aperçu des arguments des différents avis. Et wallah, ça tu testafid fi hadhihi at-tariqa min 'iddat awjuh. Tu profites dans cette façon d'opérer de différentes façons. La première, ça t'élargit la poitrine dans le khilaf, dans ce qui s'appelle la divergence. Et ça te change ta compréhension de la divergence. Taïb, je fais référence à ce qu'on appelle le khilaf al-tanawwa', la khilaf al-ittidad. Cette divergence qui est connue chez les savants et qui est basée sur des textes, pas la divergence dans laquelle certains s'opposent à d'autres بمجرد أهوائهم en se basant seulement sur leur passion, non en se basant sur les textes. هذه لا عبرة بها. Cela on ne lui donne aucune considération. On parle de la première. Et on apprend à comprendre الخلاف. Ensuite on apprend à comprendre la méthodologie dans la comparaison entre les avis. Et j'en passe. Ne nous éloignons pas du sujet principal. على كل حال ابن القيم رحمه الله تكوني pour المناظرة وللفائدة l'un des prophètes, pour ne pas dire le prophète qui était le plus fort dans le مناظرات, dans les débats, c'est qui c'est من je dis les prophètes ارفعوا ايديكم يا اخوة ابراهيم عليه السلام. Allez, à l'avenir, bi'idhnillah, si je suis amené à vous poser des questions, pour ne pas qu'il y ait le fawda, levez vos mains. Comme à l'école. J'avais pensé, Allah, il est témoin, je voulais ramener quelques livres à offrir aux frères qui répondaient bien, mais malheureusement, j'ai oublié. Excusez ma négligence. Inch'Allah, la prochaine fois, si Allah il le décrète, on le fera. À la kulli hal, c'est Ibrahim, alayhi salam. Ibrahim, alayhi salam, il était très fort dans le munadarat. Taïb, notamment l'histoire avec un Namrud. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت والسنيور celui qui donne la vie et qui donne la mort. Alors النمرود الذي قال أنا أحيي وأميت. Moi aussi je donne la vie et je donne la mort. Ramenez-moi deux esclaves. Et Allah, tuez celui-ci et laissez celui-ci vivant. Je donne la vie, je donne la mort. Alors إبراهيم عليه السلام الذي إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. Il dit Allah il fait venir le soleil de l'Occident. Fais-le venir de l'Orient. فبهت الذي كفر. Il est resté sans voix. الوقائع التي تدور حول هذا الموضوع في حق إبراهيم عليه السلام كثيرة من أن تحصى. على كل حال, non seulement Ibn al-Qayyim rahimahullah était très fort dans le fait d'argumenter, et surtout il était ferme dans ses convictions. À un point où de nombreuses fois ça lui a attiré des ennuis. Ça lui a attiré des ennuis. Parce que d'accord, Damas, à l'époque d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, était pleine de savants et de sciences. Mais malheureusement, elle était touchée par un mal qui est le ta'assub, al-madhhabi, le fanatisme dans la pensée. Le fanatisme dans la pensée des groupes de personnes qui sont accrochées à une idéologie, taïb, et qui n'acceptent aucune opposition.
ce qui poussait certains des ennemis d'Ibn al-Qayyim rahimahullah à mentir sur lui dans le but à ce qu'il lui arrive du mal. Alors Ibn al-Qayyim était convoqué pour répondre à ces accusations, ce qu'il poussait à défendre son avis, et lorsqu'il était bien entendu le plus fort dans le débat et qu'il anéantissait entre guillemets ses opposants, ça lui attirait des ennuis. Notamment, il a été de nombreuses fois emprisonné pour certains des avis qu'il défendait. Il a même été des fois frappé, comme par exemple dans une mas'ala qui était courante à l'époque. Les savants donc de Damas avaient pris l'avis que si un homme il dit à sa femme trois fois de suite tu es divorcé, eh bien les trois fois elle compte. Et la femme elle est taliq ba'in. Il n'a plus le droit de la reprendre seulement si elle se marie, consomme le mariage, divorce à nouveau. Et Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhima, ils ont pris l'avis que les trois fois dites d'un coup ne valaient que pour une. Et quand on retourne chez Salaf, on voit que le prophète alayhi salatu wasalam et Abu Bakr disaient ceci, et que celui qui disait trois fois à sa femme anti taliq ne comptait que pour une fois. Amma Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lui, il a vu qu'à son époque les gens ils en faisaient un peu trop et qu'il prenait ça plutôt comme un jeu de dire à leur femme trois fois tout anti taliq anti taliq anti taliq. Alors il a fait appliquer chaque fois comme étant réel. Ala kulli hal, donc il y a eu un débat entre Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et les autres qui a eu comme finalité que Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim soient mis en prison parce qu'ils n'ont pas suivi la vie générale, et en plus ils ont eu les moyens de contester et d'appuyer leurs avis avec des arguments. Il y a même une mas'ala dans laquelle Ibn al-Qayyim rahimahullah il a été emprisonné, il a été frappé, il a été ligoté, on l'a mis sur le dos d'un chameau et on l'a fait tourner dans la ville. Undoro ila hada yaqul khilaf qawlina. Regardez celui-ci, il dit autre que ce que nous disons. Cette mas'ala c'est quoi? À l'époque, ils avaient une bid'a, une innovation qui consistait à voyager vers un endroit dans lequel ils prétendaient qu'Ibrahim alayhi salam était enterré. Alors ils faisaient ce voyage, ils allaient sur place et ils faisaient sur place des innovations, notamment shirkiya, qui tendaient vers le shirk. Alors Ibn al-Qayyim rahimahullah, ainsi que son cheikh, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhima, donc se sont mis en obstacle et ont prouvé, donc par toutes les preuves logiques du Coran et de la Sunna, la bonne compréhension des prédécesseurs, que ce n'était qu'une innovation qui n'avait aucun fondement dans l'islam. Et ils ont donc connu ce qu'ils ont connu comme épreuve. Comme autre occupation, comme autre fonction qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah avait, at-ta'lif. Wa rubbama takunu tilka al-wazifa a'zam ma nuqila ilayna min wadha'if hadha al-shaykh al-jalil. Donc at-ta'lif, c'est le fait d'écrire des ouvrages dans de nombreux domaines et qui sont jusqu'à aujourd'hui des références. Et celui qui connaît un peu Ibn al-Qayyim à travers ses ouvrages, il ne cesse de s'étonner autant quand il voit l'étendue de la science de cette personne. Et si on devait parler des ouvrages d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, on les diviserait en deux catégories. Et peut-être même qu'on rajouterait une troisième catégorie. On y reviendra après. La première, c'est les livres d'Ibn al-Qayyim qui sont connus, disponibles et célèbres, qu'on peut trouver assez facilement. Parmi eux, yallah, qui me donne le nom d'un livre d'Ibn al-Qayyim? Abdel Haq. Comment? J'ai pas entendu. Les saveurs de la prière. Asrar al-Salah. Ça, il faut savoir que ce livre-là, en lui-même,
Naam, c'est Ibn al-Qayyim qui l'a écrit, mais ce n'est pas un livre indépendant, c'est un chapitre d'un livre duquel on a fait un livre. Et ça, il y a beaucoup, hein, beaucoup de livres qu'on attribue à Ibn al-Qayyim qui sont en fait un chapitre d'un autre livre. Mais, Sentier des itinérants. Madarij al-Salikin. Hada qal Asrar al-Salah. Hada qal Madarij al-Salikin. Le sentier des itinérants. Les frères, un effort, dites les mots en arabe. Bon, si vous n'arrivez pas, la qada, khair, inshallah. Taïb. Celui-là, je ne connais pas le titre en arabe. C'est sûrement un chapitre d'un livre autre. Naam, ya akhi. Zad al-Ma'ad. لعل هذا أشهر تأليفات ابن القيم رحمه الله زاد المعاد في هدي خير العباد c'est peut-être le livre le plus célèbre d'Ibn al-Qayyim رحمه الله il parle donc c'est un des livres qui réunit autant السيرة النبوية donc la vie du prophète عليه الصلاة والسلام que l'ahkam الفقهية que les règles juridiques ainsi même que ce fameux face à la fin dont on a tiré le livre La médecine prophétique, At-Tab al-Nabawi, peut-être je l'ai enlevé à quelqu'un. Hein, il fait référence, il vient de Zad al-Ma'ad, At-Tab al-Nabawi, d'accord ? Dans lequel Ibn al-Qayyim al-Hamdallah, il classe par ordre alphabétique les aliments qui ont des avantages sur le corps humain. Et wallahi, quand tu lis Ibn al-Qayyim, tu te rends compte, c'était un historien, c'était un linguiste, c'était un médecin, c'était un physicien, c'était un astronome. Et j'en passe. بصرف النظر عما له من المؤهلات في العلوم الشرعية. On ne parle pas des sciences religieuses, on te parle des sciences mondaines. Tout à l'heure, l'Akh Bouzaïd, Hafidhahullah, il nous parlait de ce fameux chapitre dans le livre de Tibyan. Tibyan fi Ayman al-Qur'an, il s'appelle Aqsam al-Qur'an aussi, ça dépend des fois, on trouve des livres qui ont plusieurs titres. Dans ce livre-là, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il fait le tafsir des versets dans lesquels Allah Azza wa Jalla il jure. والسماء والطارق لا أقسم بهذا البلد والفجر والليل إذا يغشى والشمس وضحاها نون والقلم وما يسطرون قاف القرآن المجيد فلا أقسم بمواقع النجوم et tous ces versets dans lesquels Allah Azza wa Jalla il jure. Et wallahi mes frères, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas lu beaucoup d'Ibn al-Qayyim, mais chaque fois que je lis un livre d'Ibn al-Qayyim, je me dis c'est le meilleur livre de ma vie que j'ai lu d'Ibn al-Qayyim. Donc en date, le dernier que j'ai lu, c'est ce livre-là. Et wallah, hein, wallah, j'ai rarement lu un livre comme celui-ci dans le tafsir. Il est magnifique. Il te ramène des éléments qui sont à ta portée, mais auxquels tu penserais jamais. Et lorsqu'il parle de ces versets, après il fait référence au contenu général de la surah dans laquelle Allah Azza wa Jalla jure. Donc il dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi de jurer sur ça pour affirmer telle réalité, pour affirmer telle chose. Car sachez mes frères que si Allah Azza wa Jalla il jure sur une chose, c'est pour en premier lieu montrer sa grandeur, et la grandeur de la chose sur laquelle on jure montre la grandeur de celui qui jure, hada shay. Ensuite, sache que le choix qu'Allah Azza wa Jalla il a sur la chose sur laquelle il jure n'est pas anodin, n'est pas anodin, alayhi salam, n'est pas futile. Mais c'est un lien avec la chose pourquoi Allah il jure. On a le muqsam, le muqsim, le muqsam bihi, ou le muqsam lahu, ou alayhi. D'accord ? Vite fait, parce que c'est trop fort. Dans surat al-Waqi'a, Allah Azza wa Jalla dit « Fala uqasimu bima waqi'in nujum, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim, innahu laqur'anun karim. » Donc Allah Azza wa Jalla il jure mawaqi', ils ont dit ala qawlayn, soit les endroits desquels les étoiles elles montent, elles apparaissent dans le ciel, ou soit l'endroit de l'étoile directement dans le ciel, mawaqi' al-nujum. Donc Allah Azza wa Jalla jure sur la place que les étoiles ont dans le ciel, ou bien de l'endroit duquel elles apparaissent dans le ciel après le coucher du soleil. Comme quoi le Coran est un livre généreux qui donne beaucoup. Quel est le lien entre les étoiles et le Coran? On retourne dans le Coran et on voit qu'Allah, quand il parle des étoiles, il leur donne trois fonctions principales. Premièrement, Allah il dit وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Et c'est lui qui a fait pour vous des étoiles un moyen de vous guider dans les ténèbres de la mer et de la terre. Donc comme les étoiles sont un moyen concret pour trouver ton chemin lorsque tu es perdu sur terre ou dans la mer,
le Coran est un moyen concret qui te permet de te guider et sortir des ténèbres, de l'ignorance et de l'égarement pour arriver aux lumières de la guidée et de la foi. Deuxièmement, Allah Azza wa Jalla dans le Coran que les étoiles sont un ornement pour le ciel. Taïb. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Non, c'est pas ce verset, c'est dans le mulk. Celui qui trouve, il me fait gagner du temps, inshallah. أحسنت بارك الله فيك. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إن شاء الله عهد علي أن أهديك كتابا. أهدي لك كتابا. طيب. Et nous avons embelli le ciel de ce bas monde. Ou bien le ciel inférieur à la sahih, parce que as-sama ad-dunya ici, c'est un wasf, c'est pas un mudaf. Ceux qui connaissent l'arabe, ils m'ont compris. Ceux qui connaissent pas, ils vont au cours de Akhyasin et ils font des cours de grammaire. Taïb. Et on a embelli le ciel inférieur, le nôtre, des masabih, avec des lampes, les lumières, les étoiles, qui ont pour but donc d'embellir. Donc, khulasatul qawl, c'est que les étoiles sont l'ornement et l'embellissement du ciel, de ce bas monde, donc de ce monde en lui-même. Et le Coran est ce qui embellit ton cœur. Et enfin, la fin du verset, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Comme vous le savez, les shayatines, après la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, ne pouvaient même plus accéder aux confins de ce ciel. Taïb, ils se faisaient chasser par des météorites, des astres, des étoiles filantes, ce que vous voulez. Shihab. Et le Coran, il chasse shayatin al-ins wal-jin. Taïb, le Coran, il chasse les démons, qu'ils soient parmi les djinns ou même parmi les êtres humains. Donc là, tu as vu le lien qu'il y a entre ce sur quoi Allah il jure et ce sur quoi, pourquoi Allah il jure. Bref, je ne m'éloigne pas dans le sujet. Après, tu viens dans surat al-Dhariyat. Allah Azza wa Jalla jure sur al-Dhariyat. Après, ramène le khilaf chez les mufassirines, c'est quoi al-Dhariyat? Il dit al-Rajih, c'est les anges. Al-Dhariyat, idharwa, fil-hamilat, wiqra al-ayat. Ensuite, il fait référence aux grands points qui sont évoqués dans cette surah. Et il arrive au verset. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. Et dans la terre, il y a des signes pour ceux qui sont sûrs. وَفِي أَنفُسِكُمْ. Et en vous-même. أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Ne voyez-vous pas? Et wallahi, mes frères, ce chapitre-là, cette parenthèse, elle fait à peu près, elle fait plus de 100 pages. Et wallahi, il pose des questions auxquelles il ramène des réponses que moi, personnellement, je ne me suis jamais demandé. Et que j'ai jamais vu ailleurs. Pourquoi? Il parle donc de l'être humain et de ses particularités en tant qu'être humain. Pourquoi l'enfant, quand il naît, il a des sourcils, il n'a pas de moustache? Pourquoi l'homme, quand il grandit, il commence à perdre ses cheveux ici et il les garde sur les côtés? Pourquoi quand tu as des cheveux blancs, tu en as dans les cheveux, dans la barbe, tu n'en as pas dans les sourcils? Là, on a nahkumu ala sabil al-ghalaba. Là, on a qu'on a bin nudra. Il y a des gens, des fois rarement, c'est vrai, tu trouveras les sourcils blancs. Laquelle en général, là, il ramène des choses. Wallah, tu dis ajib. Et le plus ajib, c'est qu'il te ramène les réponses. J'ai même appris des noms de médecins grecs dans des paroles d'Ibn al-Qayyim. Jalinus. T'arrives à l'intima, Jalinus? Eh bien, j'ai appris ce nom-là. Après, j'ai vu des rares, mashallah, qu'il connaissait déjà. Ala kulli hal, wallahi, shay azim. Celui qui lit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il ne cesse de s'étonner. Et il ne cesse de voir à quel point cet homme-là, il avait vraiment une culture immense et une science très grande. Donc, on s'était arrêté à Zad al-Ma'ad. Taïb, c'est ça? Après, donc, moi, j'ai rajouté At-Tibyan fi Ayman al-Qur'an, un livre que je conseille à tous les frères qui ont une soif d'en connaître plus sur le Qur'an. Taïb. Un autre, l'akh. Al-Fawa'id. L'akh. La maladie des cœurs. La maladie des cœurs. La ya'rifou. Mais ça doit sûrement être, comme j'ai dit, comment ça s'appelle, un livre qu'ils ont tiré, du moins un chapitre qu'ils ont tiré d'un ouvrage plus grand. Allez, un dernier. L'akh. Ahsant, barakallahu fik. Ça, c'est mon numéro 2 préféré, celui-là. De ceux que j'ai lus, hein. Miftah Dar As-Sa'ada.
Voilà ce livre-là. Au début, il dit pourquoi Adam il est descendu du paradis. Après, j'ai regardé comme ça, je sais pas parce qu'il a désobéi à Allah. Tu sais, toi, tu dis khlas, c'est tout, c'est fini. Toi, avec ton ilm qasir, pour dire ilm qasir, ton Adam wujud ilm aslan, ton absence de science, tu crois pouvoir répondre sur le tas comme ça. D'accord ? Eh ben non. Et il ramène. Pourquoi ? Parce que. Sur une trentaine de pages. Après, il passe à la science. À la vertu de la science, à son rang particulier, ainsi que celui des savants. Et wallah, il ramène des versets, des hadiths, dans lesquels il prouve la supériorité du savant et la grandeur de la science sur le reste. Moi, un des points les plus particuliers que j'ai vraiment aimé, c'est quand il dit qu'Allah Azza wa Jalla, il prouve que la science elle est meilleure que le reste, même dans les chiens. Regarde, dans le Maïda, Allah Azza wa Jalla, il dit يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله الآيات. Dans ce verset, Allah il nous dit quoi? Il nous dit que si tu as un chien auquel tu as appris à chasser, d'accord, et qui te ramène un gibier, eh bien, son gibier, il est halal. Maintenant, si j'ai un chien qui me ramène un gibier sans que je lui ai appris à chasser, eh bien, ce gibier, il est haram. Et il dit, et par ce point-là, Allah, il te montre que le chien qui a de la science, il est meilleur que le chien qui n'a pas de science. Allahu Akbar. Allah, je dis, subhanallah. Toi, tu sais, quand tu fais un dars sur l'ilm, tu ramènes à peu près les mêmes versets. Inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Bien sûr, il faut les ramener ces versets, c'est le Coran. La première des choses qu'on ramènera sera le Coran, la chèque. Mais wallah, des fois il y a des fawaïd comme ça, des hikam qu'on n'entend pas souvent malheureusement. Et celui qui veut avoir cette particularité, cette saveur de trouver justement des points comme ceci, on l'invite à lire les livres d'Ibn Qayyim rahimahullah. Miftah dar as-sa'ad. Ça, c'est les livres connus, il y en a plein d'autres. Kitab al-Ruh, Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah, Uddat al-Sabirin. Hein? Ce livre-là, les frères, wallah. De toute façon, voilà, si on se met à parler des livres d'Ibn al-Qayyim, on s'en sort plus. Ça fait une heure que je parle là. Wallah, tu veux un livre dans tafsir? Prends At-Tibyan fi Ayman al-Qur'an. Il y a aussi tafsir surat al-Fatiha. Il y a aussi tafsir al-Mu'awidatayn. Tu prends dans Bada'i al-Fawaid, il nous parle de l'Kafiroun. Il nous parle d'Ayat al-Kursi. Tu prends dans le Fawaid, tu trouves surat Qaf dans de nombreux versets. Il y a même un shir qui a réuni tout ce qu'il a trouvé comme tafsir d'Ibn al-Qayyim. Il en a fait un livre. Il a appelé tafsir al-Qayyim. Wallah, tu prends que ce qu'il dit sur Bismillahir Rahmanir Rahim, ça fait 15 pages. Toi, tu viens, tu ramènes le I'rab, al-Ba, hein. Jarra, Ismi Majrour. Après tu rentres dans le détail, plus ou moins, ça va prendre 3 minutes. Et tu crois que tu auras donné beaucoup. Wallahi, on ne donne rien du tout. Et quand tu lis les ulama, notamment les afdad, Ibn Qayyim, rahimahullah, al-Jahabida, tu te rends compte de quoi? La réalité de la parole, wallahi, dit wa ma utitum min al-ilm illa qalila. Et on ne vous a donné de la science que très peu. C'est qui toi, quand tu compares ta science au grand savant, tu te rends compte que tu n'as rien. Alors que dire alors du reste? Alors qu'Allah il nous a dit à nous tous, savants ignorants, vous n'avez eu de la science que très peu. Kitab al-Ruh, le livre de l'âme. Allah il dit, wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi, et wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Et t'interroge sur l'âme, dit l'âme concerne les affaires de mon Seigneur. Et vous n'avez de la science que très peu. Et bien Ibn al-Qayyim rahimahullah, il fait un livre dans lequel il réunit tout ce qu'il trouve sur le ruh. Des masaïl dans lesquels les salafs ils ont divergé. Des points vraiment impressionnants. Et on reviendra sur ce kitab en particulier un peu plus tard, si j'ai le temps, inshallah. Taïb. Encore, je disais Uddat al-Sabirin. Juste revenir, voilà, parce que ça c'est important de partager. Ces lectures dans lesquelles on a vraiment, vraiment profité. Et je vous dis pas de lire nous Uddatu al-Sabirin wa Dhakhiratu al-Shakirin. C'est un livre dans lequel Ibn al-Qayyim, rahimahullah,
il fait référence à la patience sur l'épreuve et à la reconnaissance dans le bienfait. طيب. Et à la fin du livre, il y a Al-Khatima. Et dans Al-Khatima, Ibn Qayyim, rahmatullahi alayhi, il te fait comprendre. Il te fait comprendre à quel point tu es insignifiant. Tu auras beau croire patienter, ou beau croire être reconnaissant, tu n'auras jamais patienté comme il le faudra, tu n'auras jamais été reconnaissant comme il le faut. Et après, il se met à décrire Allah Azza wa Jal. Et ça, je ne peux pas vous le dire. Il faut le lire. Et c'est intraductible. Il faut le comprendre. Mais c'est trop ravi. Et c'est là que tu vois que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'était quelqu'un qui avait développé un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala que tu ne trouves pas partout. Tu ne trouves pas partout. Je vous passe les commentaires. Dans Madarij Salikin, tu le ressens encore plus. Tu le ressens encore plus. Ta tariq, tariq al-hijratayn, wa bab al-sa'adatayn. Pareil. Un trésor. Ta hidayatul hayara. Ta ahkam ahli al-dhimma. I'lam al-muwaqi'in. Et j'en passe. Des livres, wallah, chacun dans son sujet, et qui sont tous des trésors dans leur domaine. Ça, c'est les livres connus. Après, on a des livres qu'on trouve dans la deuxième catégorie. Quand on regarde dans les biographies des grands élèves d'Ibn Qayyim et des autres, ils nous ramènent des titres de livres qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Des titres de livres qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Mathalan, on a un livre qui s'appelle Al-Ijtihad wa Taqlid. Des fois, Ibn Qayyim, il fait référence dans certains de ses livres, il dit, j'ai parlé de ce sujet-là dans mon livre Al-Ijtihad wa Taqlid. Mais ce livre-là, on ne l'a pas. Il a disparu. On a un autre livre qui s'appelle Usul al-Tafsir. Pareil, dans des livres, Ibn Qayyim, il parle d'un sujet. Il nous dit, celui qui veut plus de précision, qui retourne à notre livre Usul al-Tafsir. Il n'existe plus. Un autre livre qui s'appelle Al-Amali al-Makkiya. Il n'existe plus. On a un livre qui s'appelle Al-Ta'liqat ou Al-Ta'liq ala al-Ahkam. Il n'existe plus. Et d'autres livres. De nombreux livres d'Ibn al-Qayyim rahimahullah et de son cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhima qui ont disparu. Alors là, يتبادر الى ذهنك ايها الفطين او ايها العاقل ما سبب اتلاف هذه الاسفار. Alors là, va te venir à l'esprit directement, oh mon frère qui est très intelligent, quelle est la cause de la disparition de ces livres? طيب. Comment? Non? Bismillah. Alors là, je suis confronté à un petit souci. On a un amir, un gouverneur, qui n'était pas de Damas. Ça, c'est ancien. Ça doit dater de 3 ou 4 siècles, voire même un peu moins. Cette personne-là, elle avait adhéré à la aqida de l'Hulul. Comme quoi, Allah, il est dans sa création, la création, elle est dans Allah. Même le roulette, ceux qui ont abusé dans cette croyance, ils ont dit que Pharaon, il avait raison. Ce n'était pas un kafir. Quand on a dit, Ana Rabbukum al-A'la, je suis votre Seigneur le plus grand. Parce qu'Allah, il est en lui. Donc, il n'a pas menti. Hadith wa la haraj. Ala kulli hal. Cette personne-là, elle a été à Damas. Et elle a essayé de se procurer le maximum de livres d'Ibn al-Qayyim et d'Ibn Taymiyyah. Dans quel but? Les détruire. Parce qu'Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhima, ont prouvé les égarements de leurs croyances. Alors soit il les achetait, soit il allait voir les personnes dont il avait entendu comme quoi il les possédait, et il cherchait à se les faire offrir, ou soit carrément il se les procurait de façon autre, si vous voyez ce que je veux dire. Et Cheikh Albani, rahmatullahi, il a un kalam sur cette waqi'a, sur ces événements. Et tout ce qu'il a pu trouver, Taïb, il s'en est débarrassé. C'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de livres d'Ibn al-Qayyim et d'Ibn Taymiyyah, rahimahumullah. Je vous disais, le souci auquel je suis exposé, c'est que ce fameux Amir, dans son nom, on a son origine. Maintenant, si je vous avais dit que c'était un Iraqi
ou bien à Yamani, ça vous aurait fait ni chaud ni froid. Oulala ? Je sais pas, je vous pose la question. Je pense pas qu'on a des Irakiens dans la salle. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est que des fois, tu as des réticences à faire référence à certaines origines de peur de frustrer ou bien de vexer certaines personnes dans la salle. Même on nous a dit, dans un comité restreint, quand vous faites des cours, évitez de faire référence aux origines. Il faut mettre les choses dans leur place. Il y a le contexte historique et le contexte contemporain. D'accord ? Donc quand je fais référence à un point concernant une coutume toujours présente, propre à une nationalité, c'est sûr que le fait de la citer pourra provoquer des réticences. Amma fait référence à une personne dans le passé, Taïb, qui a un rapport avec un lien particulier, Hada Yartalif. Non ? Naam. Yakfi. Taïb. D'accord. Déjà, Bakr Abou Zayd, rahimahullah, dans son livre, dans lequel il parle d'Ibn Qayyim, il nous dit que ce n'est pas le seul à avoir fait ceci pour détruire les livres d'Ibn Qayyim et d'Ibn Taymiyyah. Les Tatars aussi, ils ont une part de responsabilité là-dedans. Mais il dit, Walladi, je reprends ces mots, Walladi tawalla kibra dhalik. Celui qui a la plus grande responsabilité dans cela, c'est Al-Amir Abd al-Qadr. Taïb, c'est bon, vous ne m'en voulez pas? Pour ceux qui l'ont reconnu. Voilà. Al-Amir Abd al-Qadr. Donc, ça, c'est les livres. Ça, c'est certains titres de livres dont on a complètement perdu la trace. Et après, on peut rajouter une troisième catégorie. C'est les livres qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, avait l'intention d'écrire, mais qu'il n'a malheureusement pas pu faire du tout. Donc, et là, on voit himmatuhu, al-aliyah. Et là, c'est là que tu vois le souci et la motivation qu'il avait dans le fait d'être utile le plus possible à sa communauté. C'est que des fois, il faisait référence à des sujets dans certains de ses écrits et il disait, Inch'Allah, si Allah il nous prête longue vie ou bien il nous permet ou il nous accorde la réussite, on écrira un livre dans ce cas-là. Alors, on a trouvé par rapport à ces fameuses ambitions de la part d'Ibn al-Qayyim plusieurs sujets. Par exemple, quand tu prends dans Kitab Adda ou Ad-Dawa, on a vu le dire tout à l'heure celui-là, celui qui est connu par l'autre titre aussi, Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa ash-shafi. Hein, ils l'ont même traduit en français celui-là, la réplique suffisante. D'ailleurs, un conseil entre moi et vous ne savourez jamais Ibn al-Qayyim en français. Je vais même aller plus loin, vous ne comprendrez jamais Ibn al-Qayyim en français. Parce que déjà, pour le comprendre en arabe, il faut s'accrocher. Des fois, m'arrivait de lire la même page 10 fois pour comprendre ce qu'il voulait dire. Et des fois, j'avais entre les mains ce livre-là, la réplique suffisante, qui a été vraiment traduit n'importe comment. Un point qui m'a attiré mon attention, c'est qu'ils ont enlevé toutes les ponctuations. T'as une phrase, des fois, tu fais une demi-page. Tu sais pas où le point, tu sais pas où la virgule, tu sais pas s'il y a 2 points, tu sais pas si c'est un point d'exclamation, tu sais pas ce qu'il raconte. Et c'est du français vraiment mécanique. Donc les livres en général qui sont traduits en français d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, je ne fais référence à aucun traducteur, à aucune maison d'édition, ni à aucun titre. Mais moi, personnellement, je vous dis que vous ne savourez pas, vous ne pourrez pas dire j'ai lu d'Ibn al-Qayyim. Je ne pourrais pas. Parce que la particularité d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son style, c'est son style. Mais ce style-là, tu ne le reconnais qu'en arabe. Tu ne le reconnais pas en français. Donc, Akhi, on t'a dit que Talab al-Ilm, il commence par Ta'alim al-Lugha al-Arabiya. Tu l'as compris. Et on te fait comprendre aussi que tu passes à côté de trésors. Qu'on passe à côté de trésors. J'ai osé me sortir de la généralité. Qu'on passe à côté de trésors inestimables en ayant une très courte compréhension de l'arabe ou bien sans en avoir du tout. Taïb. Donc on a dit dans Al-Da' ou Al-Dawa, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il fait un fasl. Voilà ce fasl là aussi, trois adim. Vous savez combien de temps que je parle? Combien de temps il me reste, Kamel? Combien? 20. Taïb. Idan, dans Adda ou Adda'wa, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il fait un fasl sur Yusuf, alayhi salam.
Et il parle du khilaf qu'il y a chez les mufassirin, chez les savants du tafsir, chez les exégètes, chez les mufassirin. Et sur le verset où Allah Ta'ala dit « وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا » Et elle a eu envie de lui et il a eu envie d'elle. Il y a certains mufassirin qui se sont dit « pas possible que Yusuf alayhi salam en tant que prophète ait eu envie d'une femme. » Alors ils ont fait un taqdir, ils ont fait une supposition dans laquelle ils ont dit « Il a eu envie de s'échapper d'elle. » Et si ils ont pris cette explication, c'était pour défendre, soi-disant, Ibn al-Qayyim, Yusuf alayhi salam. Laquelle Ibn al-Qayyim dit non. Il dit Al-Aya ala zahiriha. Le verset, il est sur son caractère explicite, comme quoi Yusuf alayhi salam, il a eu envie d'elle. Et il ramène 15 points, je n'ai pas trois mains, donc 15 points qui prouvent que c'est vraiment Hamma biha dans ce sens-là. Et il prouve aussi que le fait de comprendre ce verset ainsi ne fait que élever le rang de Yusuf alayhi salam par rapport aux autres. Et nous prouve sa supériorité en tant qu'être humain. Parmi certains de ces points qui nous ramènent, il dit que cette femme-là, la femme de l'Aziz, donc de son maître, entre guillemets, était une femme très belle. Une femme très belle. Cette femme-là, elle a mis tout les moyens possibles pour pouvoir être seul avec lui. Il disait وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. Et elle a fermé les portes. غَلَّقَ, mon frère, dans ilm al-sarf, ils disent عَلَى وَزْنِ فَعَلَى وَمَا كَانَ عَلَى وَزْنِ فَعَلَى يُفِيدُ أَمْرَيْن التَّكْثِيرُ فِي الْفِعْلِ وَالْمَفْعُولِ. طيب يعني كان هناك أبواب 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 كثيرة غلقتها وكان هناك تغليق متكرر في باب واحد. Quand tu as un verbe sous la forme فعل غلق, طيب, ça indique la multiplication de l'action en elle-même, mais dans deux choses, dans l'acte et dans la chose qui subit l'acte. Donc elle a fermé les portes, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de portes à fermer. C'est-à-dire qu'elle s'est arrangée pour fermer toutes les portes possibles pour ne pas que quelqu'un puisse les surprendre. Deuxièmement, dans l'action en elle-même, ça veut dire qu'elle se fermait plusieurs fois de suite la même porte pour être sûre qu'elle est bien fermée. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. C'est-à-dire qu'il était tout seul avec elle dans un endroit où personne ne pouvait venir. Et on sait que Yusuf alayhi salam, il était jeune. Dans le verset d'avant, Allah dit وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Et lorsqu'il a atteint son terme, آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, on lui a donné de la sagesse et de la science. Et dans le verset d'après, quand les femmes elles se moquent de la femme du maître de Yusuf, ils disent وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا. Et des femmes dans la ville ont dit que la femme du maître a tenté de séduire son petit, Fataha, son jeune. C'est-à-dire que Yusuf alayhi salam, il était jeune. Et comme on sait, hein, les hormones humaines se développent en particulier dans la jeunesse. Et c'est là où l'envie que l'homme il a vers la femme et vice-versa est la plus grande. Ils étaient seuls. Elle était belle. Il était beau. Tout le monde le sait. Quand les femmes elles ont vu Yusuf alayhi salam, فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Lorsqu'elles l'ont vu, elles ont dit Allahu Akbar, Akbarnahu, ou bien elles ont fait de lui quelque chose de grand. Elles se sont coupées les mains. Elles ont dit Hasha lillah, ce n'est pas un homme, c'est un ange. Vous savez, où tient Yusuf Shatr al-Jamal. Il a été donné à Yusuf la moitié de la beauté. Wa in kana fi hadhihi al-maqalati nadhara min haythu as-siha, nadhkuruha min haythu aw min bab al-fa'ida. طيب, il y a quoi encore? C'est que son mari n'était pas jaloux. Regarde, quand il a été au courant de l'histoire, qu'est-ce qu'il a dit? Yusuf, a'rid an hada. Yusuf, ne t'occupe plus de cela. Wa astaghfiri li dhanbik innaki kunt min al-khati'in. Ça s'arrête. Yusuf, ne t'occupe plus de cela. Et toi, implore le pardon pour ton péché. Tu étais certes parmi celles qui se sont trompées. Il n'a pas été plus loin. Toi, t'aurais fait quoi avec ta femme, toi, si elle fait un truc comme ça? Ne répondez pas, barakallah. Par respect envers nos yeux.
Taïf. Eh bien, lui, il n'a pas été loin. Il n'a même pas cherché à lui en vouloir ou bien à lui faire des remontrances ou autre. Et je vous passe les autres choses. 15 points qui prouvent que Youssouf alayhi salam a eu envie d'elle, mais comme il a craint son Seigneur, ben Allah il l'a élevé par sa crainte de lui et le fait qu'il se soit abstenu de tomber, du moins de donner recours à ça, à son désir. Et vous connaissez le hadith dans Sahihain d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète dit alayhi salatu wassalam, dans les 7 personnes qui sont sous l'ombre d'Allah azza wa jal, le jour du jugement, il dit dans les 7, wa rajulun. دعته امرأة ذات دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Et un homme qui a été appelé par une femme de haut rang et très belle, vous savez tous pour faire quoi? Il a dit quoi? Je crains Allah. Et Youssouf عليه السلام l'a dit, je crains Allah. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Il a dit qu'Allah m'en préserve. Il est mon Seigneur et il m'a certes embellit ma situation. Il parle de Allah Azza wa Jalla, il ne parle pas de son Seigneur, son maître, ni le mari de sa maîtresse. Il a dit, certes, les injustes ne gagnent jamais. Bref, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il ramène 15 points comme ça. Je vous laisse quelques-uns. Et à la fin, il dit, et Inch'Allah, si j'ai le temps, et si, enfin, si Allah me le permet, je ferai un livre dans lequel je ramènerai les fawaïd de Surat Yusuf qui s'élèvent à plus de 1000. J'ai dit, Allahu Akbar. Dommage, il n'y avait pas ce livre. Si sur un événement de la soirée, il nous a sorti 15 points, qu'est-ce qui t'aurait sorti toute la soirée? Taïb, il y a aussi, dans un livre dans lequel il fait référence aux différences dans le fiqh, qu'il y a entre Al-Basriyoun, ceux qui sont dans le Basra, une région en Irak, on l'appelle Basra aujourd'hui, et Al-Kufa, Al-Kufiyoun. Et à la fin, il dit dans, entre parenthèses, il dit, et en plus des différences qu'il y a dans le fiqh entre ces deux écoles, il y a aussi de nombreuses différences entre ces deux écoles dans la grammaire arabe. Et Inch'Allah, je ferai un livre dans lequel je réunirai toutes ces divergences. Mais il n'a pas fait. Il a fait un autre livre, enfin, il avait l'intention de faire un livre dans lequel il réunirait toutes les qualités d'Ibrahim alayhi salam. D'ailleurs, pour celui qui veut un aperçu de ça, je le renvoie au livre qui s'appelle Ar-Risala at-Tabukiyya, dans laquelle Ibn al-Qayyim rahimahullah il prouve à quel point Ibrahim alayhi salam était le meilleur des hôtes avec l'histoire des anges. Wa hal ataka naba'u? Hal ataka naba'u? Aw hal ataka hadith dhayfi Ibrahim al-mukramin? Et wallah, c'est pareil. Il te ramène des fawaïd, tu dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est trop. Bilurat al-Asr, comme on dit, c'est trop fort. Taïb. Et d'autres livres. Aïnaam, il a fait dans Madarij Salikin, il y a un chapitre dans lequel il parle du shirk. Et il dit, Inch'Allah, on va faire un livre dans lequel on parlera du shirk, de ses différentes catégories, de ses différents mots, de ses différents degrés et de ses différentes parties. Mais pareil, il n'a pas fait ce livre-là. Wallah, si ces événements-là. Regarde le nombre de livres qu'Ibn al-Qayyim a écrit. Il s'élève à peu près à plus de 80. C'est-à-dire en réunissant ceux qu'on a toujours et ceux qu'on n'a plus. Des livres qui, des fois, sont des différents volumes, de nombreux volumes. Et malgré ça, il avait toujours en tête, dans un coin de sa tête, je vais faire un livre sur ça, et je vais faire un livre sur ça, et je vais faire un livre sur ça. C'est pour ça que chaque fois, tu trouves dans un domaine de la science islamique une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. T'as pas marqué quand tu lis les kibar, les grands savants? Dans n'importe quel domaine, qala ibn Taymiyyah, qala ibn al-Qayyim, qala ibn Taymiyyah, qala ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhima. D'ailleurs, les grands savants, ils nous conseillent, au talib ilm, in kunna nadda'i dhalik, si on prétend ceci, d'avoir les livres de ces deux grands savants, qui sont ala haq, kilahuma shaykhay al-islam. Qui sont ces deux savants-là, ils sont les deux shaykh al-islam. Et ces deux savants-là sont les deux à avoir été les. Mujaddid. Hein, les réformateurs, j'allais dire rénovateurs, ça se dit aussi, non? Revivificateurs, c'était ce mot que je cherchais. Les mujaddids de ce siècle. D'ailleurs, l'île Faïda, Bakr Abu Zayd, il dit que le hadith qui fait référence au mujaddid, il dit « Allah la yab'athu ala ra'si kulli ma'ati salah, man yujaddidu laha amra diniha. » Il dit « Man » ici, donc Allah Azza wa Jal suscite, envoie
à la tête de chaque siècle pour cette communauté celui qui revivifiera, qui a combien de vies, il y en a un qui revit, deux, revivifiera les affaires de sa religion. Ça c'est dur. طيب, il nous dit que même ici, comme c'est connu chez l'Ossoulion, ça c'est dans l'arabia, c'est un pronom relatif. Et les pronoms relatifs, ils indiquent la généralité. Et ils disent qu'il n'y a pas d'interdiction, bien de choses qui empêchent à ce qu'il y ait deux mujaddid dans le même siècle, même voire plusieurs, chacun dans un bab particulier. Chacun dans un bab particulier. Et on reviendra sur ce point-là, inshallah, dans la muhadara que j'ai préparée pour demain. Bi'idhnillah, quand on parlera de Samahat al-Walid, Fadilat Sheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, rahmatullah alayh. Taïb, ibn al-Qayyim, hakada kan. Et je finirai là-dessus. Enfin, je finirai par rapport à la muhadara tout de suite, parce que je finirai en fait la muhadara après, tout à l'heure. Hein? Comment? Ceux qui veulent faire le wudu, c'est ça? À ceux qui veulent faire le wudu, qu'ils y aillent tout de suite. Alors que je finis sur ce point-là. Sachez qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a écrit certains de ses ouvrages en voyage. Il a écrit certains de ses ouvrages en voyage. Ça veut dire qu'il n'avait rien avec lui pour sur quoi s'appuyer. Parmi ces ouvrages-là, celui de quel on a parlé tout à l'heure, Zadul Ma'ad, fi hadi khayr al-ibad. Il a écrit ce livre-là en voyage. Et dans certains passages, il dit quoi? Je m'excuse auprès du lecteur s'il ne trouve pas ce qui lui convient comme référence, parce que je suis en voyage et je n'ai pas avec moi mes livres. Allahu Akbar. Le livre Bada'i'ul Fawaid, il a aussi écrit en voyage. Miftah Dar al-Sa'ada, il a aussi écrit en voyage. Al-Qasidatul Mimiya, il a aussi écrit en voyage. Al-Amal al-Makkiya, il a aussi écrit en voyage. Tahdhib Sunani Abi Daoud, il a aussi écrit en voyage. Trouve-moi quelqu'un qui a écrit des encyclopédies en voyage. Toi, t'arrives même pas à écrire une carte postale à ta tante quand tu pars en week-end. Lui, il a écrit des encyclopédies, subhanallah. Subhana man khalaqa hadha ar-rajul. Wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Quand tu connais des gens comme ces gens-là, wallah, ta foi l'augmente en Allah Azza wa Jal. Ta foi l'augmente en Allah Azza wa Jal. Et tu dis que si tu vois des gens comme ça, tu comprends, enfin, plus ou moins, la perfection du Créateur. Tu comprends pas, mais tu te dis que ça doit vraiment être quelque chose. Comme ils disent à Ulamauna, Kullu ma dara bi balik, fallahu bi khilafi dhalik. Tout ce qui tourne dans ta tête, ben Allah, il est différent. Taïb, laïsa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. طيب. Mais quand tu vois des créatures comme ça, tu dis Allahu Akbar, Subhan al-Khaliq, Subhan al-Khaliq. طيب. Excusez-moi à l'Itala, Inch'Allah, l'il-Hadith baqiyya ba'da l'Isha, ba'da l'Isha, on finira le chapitre, Inch'Allah, la conférence. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, barakallahu fik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله النافذ أمره الدائم بره الشديد بطشه وقهره الواجب حمده وشكره لا يرجى إلا خيره ولا يخشى إلا ضيره فتبارك اسمه وجل ذكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح للأمة وبلغ الرسالة وكشف الله به الغمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد عودة حميدة بإذن الله جل وعلا. Mes frères, on va essayer
Allah al-tawfiq, de conclure ce qu'on a commencé tout à l'heure concernant la vie de Shaykhuna al-Imam Muhammad Shamsuddin ibn Abi Bakrin al-Ma'ruf bibn Qayyim al-Jawziyah rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'ah. Moulahab, j'ai dit al-Imam, طيب شيخنا العثيمين رحمه الله dans la muqaddima de son sharh de Bulugh al-Maram nous dit une faïda importante. Il parle itlaq al-qawl bil-imam laysa fi haqqi al-jami' يعني يخطئ الكثير في اطلاقهم هذا الوصف على جميع العلماء وإنما الإطلاق بالإمامة خاص ببعض العلماء دون غيرهم. C'est-à-dire, on remarque des fois qu'on a tendance à employer le mot imam de façon absolue, sans préciser le domaine, sur beaucoup de savants. Et Cheikh Al-Uthaymin rahmallah dit, il ne convient pas de faire cela, d'appeler n'importe quel savant al-imam. Parce que quand on dit al-imam, comme ça avec al-alif ou al-lam, al, qalu, hadihi, l'istighraq al-jins. D'accord ? Ça englobe la nature. Ça veut dire al-imam bima'na al-matbou', celui qui est suivi. Et quand on dit al comme ça, imam, ça veut dire qu'il est suivi dans toutes choses. Par exemple, quand je dis Ahmad ibn Hanbal, je dis al-imam, na'am, kana. محدث الفقهاء وفقيه المحدثين حافظ عالم فقيه محدث لغوي أديب مترجم مؤرخ وهل مجرى دونك ان savant comme Imam Ahmad on a le droit de dire l'imam. طيب maintenant le Bukhari مثلا le Bukhari je vais dire l'imam al-Bukhari fi al-hadith. طيب là je dois préciser le domaine dans lequel je lui reconnais le rang de imam. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de science dans les autres domaines, mais qu'il n'a pas atteint le même degré que les autres savants dans tous ces domaines-là. On dira al-imam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi. On dira al-imam ibn al-Qayyim rahimahullah. Taïb, amma le fait d'employer le mot imam comme ça pour tout le monde, là. Sauf si on précise le domaine. Ça c'est kalam Cheikh al-Uthaymin, celui qui a le plus de précision, qui retourne à la muqaddima de Sharh Bulugh al-Maram al-Musamma bi Fath Dhil Jalal wal Ikram fi Sharh Bulugh al-Maram. طيب هذا شيء. Donc on a vu ensemble عن شيخنا وعالمنا وفقيهنا ومفسرنا ولغة ونحونا إلى آخره ابن القيم plusieurs choses. Sa date de naissance, qui se souvient, il est né quand ? Le frère tout au fond là-bas. Le 7000 ou la 100000 ? Sainte Barakallahu Fik. Le 7 du mois de Safar de l'année 691. On a dit qu'il a commencé Talabul Ilm très tôt. D'ailleurs, deux choses. Première, j'ai dit Ta'lim wa hada khata. Wa ashkuru al-akh alladhi nabbahani an dhalik. C'est ta'allum et pas ta'lim. Ta'lim ça veut dire enseigner et ta'allum ça veut dire apprendre. Donc c'est pas ta'lim al-lugha mais c'est ta'allum al-lugha. Et wallahi les frères c'est comme ça qu'on avance. Quand tu vois ton frère faire une erreur, va lui dire. Si ton frère il accepte le haq, il revient dessus, il n'y a pas de problème. Taïb. La seconde, les frères ils m'ont dit ouais mais akhi, on nous a dit qu'il fallait apprendre d'abord la aqidah. Quand je vous dis qu'il faut apprendre le Coran et l'arabe en premier, les frères, il n'y a pas une mauvaise compréhension entre nous. Taïb. Quand on vous parle des savants qui apprennent le Coran et l'arabe, ils ont 7-8 ans ces gens-là, à cette époque-là. Taïb. Et quand vous entendez les savants vous parler et apprenez l'aqida, ils ont affaire à des gens qui sont adultes, qui sont doués de capacités mentales les permettant de comprendre ce qu'ils nous disent, les savants. Donc il part du principe où ces points, techniquement, vous êtes censé les avoir. D'accord ? Si on part sur la méthodologie de base dans l'apprentissage.
حتى il nous disait les ulama, ta'allamu thumma fahimu ou thumma fahamu, apprenez ensuite comprenez, apprenez ensuite comprenez. Nous les ulama nous disaient, on apprenait le Coran, on ne comprenait rien, et c'est après qu'on apprenait le tafsir. طيب. Donc il n'y a pas de contradiction dans ce que je vous ai dit. Surtout aujourd'hui, alhamdulillah, on a beaucoup de frères, jazakumullahu khaira, qui ont fait beaucoup d'efforts dans la traduction des cassettes et des livres des savants dans l'aqidah. Maintenant, tu trouves en français l'explication des usul thalatha de Cheikh Al-Athamin en français. Tu trouves l'explication de Kitab Tawhid de Salah al-Sheikh en français. J'ai vu dernièrement qu'ils ont traduit l'explication de l'Ouassatiyah de Cheikh Al-Fawzan en français. Wallah, il n'y a plus d'excuses, les frères. Il n'y a plus d'excuses. Sans parler, vous, par exemple, ceux qui habitent ici, les frères Hafidahumullah, Jazahumullah, Khaira, Wathabatahum, Wassaddadahum, qui font des doros ici assez souvent, je ne pense pas qu'ils mettent de côté ces points très importants. Donc, il n'y a aucun problème ou bien aucune contradiction dans le fait que tu puisses étudier ta aqida en français et en même temps étudier l'arabe et apprendre le Coran. Oulala, tout à l'heure, Elou, la Bouza, il m'a balancé là. Et je le retiens, il va voir. Juste une petite parenthèse. Moi, quand j'ai commencé à prendre le Coran, je savais pas lire l'arabe. J'avais 17 ans. Donc j'ai pris le petit Jouz'amma en français, le vers là. Hein. Je l'ai appris en phonétique. C'est vrai. À l'époque, je croyais que c'était comme Soudaïs. Voilà, je suis tombé sur un enregistrement. Je voulais vomir. À la kulli hal. Après, j'ai trouvé Jouz Tabarak en phonétique aussi. Il est un peu plus grand, il est rouge. Je ne sais pas s'il existe encore. C'était en 98, ça. Et je l'ai appris. Allah ja'ala fi qalbi hubban li kitabihi. Alors j'ai voulu l'apprendre. Après le problème, j'étais en problème. Il n'y avait plus de phonétique pour les autres sourates. Et en bon cassoul, en bon fainéant, plutôt que d'apprendre l'arabe, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je prenais les cassettes avec le Walkman et j'écrivais en phonétique par rapport à ce que j'entendais et j'apprenais comme ça. Et un jour, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Alors, je prenais la page en arabe du fameux livre, du fameux page en arabe, page en phonétique, et je lisais, enfin plus ou moins, j'essayais de reconnaître les lettres par rapport à ce que je connaissais. Et c'est comme ça que j'ai appris à lire. En reconnaissant par rapport à ce que j'avais appris. Après, grâce à Allah, j'ai trouvé un frère qui m'a enseigné les règles tajwides. Et après, j'ai appris en arabe. Mais si vous voulez, j'ai appris 7 hizb en phonétique. Non, mais dis pas, mashallah, c'est nul. N'apprenez pas en phonétique. La phonétique, c'est catastrophique. C'est n'importe quoi. Ah, tu vas en voir un qui va mettre une apostrophe, l'autre qui va mettre un 3, l'autre qui va mettre 2 A, un SAD, il va mettre un CCD, il va mettre 2 S, il va mettre un S avec un point, tu comprends plus rien du tout. Après, tu te retrouves avec des frères, on dirait, ils parlent, je sais pas en quelle langue, mais pas en arabe, connaissent le Coran. Donc, les frères, c'est la phonétique. Ça, c'est une facilité qu'on tente de vous. Du moins, c'est un moyen qu'on tente de vous faire croire que c'est facile, mais ce n'est pas du tout vrai. Alhamdulillah, j'ai réussi à rectifier le tir, mais j'en connais beaucoup qui n'arrivent pas. Donc ne faites pas cette erreur là. Pourquoi j'ai parlé de moi? Enfin, j'ai parlé de moi, j'ai oublié le pourquoi j'ai parlé. C'était quoi? Quelqu'un me rappelle? Allah yirhamhum. Ouais, avant ça, avant ça. Avant ça. Avant ça. Barakallahu fik. Donc Allah yirhamhum, Allah yirhamhum, Allah yirhamhum, Allah yirhamhum, Allah yirhamhum, Allah yirhamhum. Donc on a dit que l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Bon, vous me direz, moi, à l'époque, l'aqidah, je ne sais pas c'était quoi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il suffit de gérer son temps. Si tu sais gérer ton temps, et tu es sadiq, tu es niyatik, tu es sincère dans ton intention, Allah, Allah, azzawajal, il t'aide. On continue avec Ibn Qayyim rahimahullah parce que j'ai pas beaucoup de temps et je veux finir inshallah. Donc on a dit, donc la aqida al-hasil, ça veut pas dire laisser la aqida de côté, abadan. La aqida aham shay. D'accord? Al-usul al-thalatha, al-qawa'id arba'a, al-arba', kitab tawhid, kashf al-shubuhat, masail al-jahiliya,
الواجبات المتحتمات إيش الواسطية إن استطعتم الطحاوية إن استطعتم التدمورية إن استطعتم ارتقوا ارتقوا في الكتب طيب وهكذا ça c'est comme disait Cheikh Ibn Baz rahmoullah fait kitab tawhid et refais-le et refais-le et refais-le et refais-le hein labd labd طيب donc là n'empêche pas l'autre on était en train de parler d'Ibn Qayyim rahimahullah et de sa faculté impressionnante à écrire et à décortiquer les textes religieux du Coran et de la Sunna et des paroles des pieux prédécesseurs afin de nous en faire sortir le plus d'éléments possibles. Donc on a parlé de tout ça. On s'était arrêté sur les livres qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a fait en voyage. Donc un élément supplémentaire nous montrant sa suprématie et sa large connaissance des textes. Pour être capable d'écrire des encyclopédies de tête en voyage, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. On a dit qu'il a écrit Zadul Ma'ad en voyage. Qu'il a écrit Miftah Dar Sa'ada en voyage. Qu'il a écrit Bada'i' al-Fawa'id en voyage. Il a écrit Tahdhib Sunan Abi Daoud en voyage. Il a écrit Al-Qasid al-Mimiya en voyage. On reviendra sur certains de ces points quand on parlera du Hajj d'Ibn al-Qayyim. Donc on a parlé en gros de ce qui a un lien avec Ibn al-Qayyim et l'ilm. Les savants desquels il a pris. Les actions, les, du moins les fonctions qu'il occupait. Il était imam, il était enseignant, il faisait le fatwa, il faisait des munadarat, des débats, et il était un écrivain. Taïb. Maintenant, je voudrais qu'on parle de ses élèves. Taïb. La'alli ou akhir hada ila ba'd qalil. Là, on en parlera après, Inch'Allah. Maintenant, point très important concernant Ibn al-Qayyim, c'est ce qu'on appelle c'est descriptif en tant qu'être humain. C'est akhlaq. C'est caractère. Comment est-ce qu'il était? Alors, tout ce qu'on a pu voir et entendre d'Ibn al-Qayyim et Allah, il sait que c'est très peu par rapport à ce qui existe réellement, nous permettre de savoir que cette personne était quelqu'un versé dans la science. C'était un océan. Et sachez que celui qui est sincère et qui sait que le fruit principal de la science, c'est la mise en pratique, ne peut être qu'une personne exceptionnelle en fonction de ses caractères, de ses comportements et du lien qu'il a avec les gens. Premièrement, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, était quelqu'un de très social, c'est-à-dire qu'il était à la disposition des gens, qu'il les écoutait, qu'il leur donnait de son temps, s'il pouvait leur rendre service, yarhamukallah, s'il pouvait leur rendre service, il le faisait, s'il pouvait réconcilier des personnes qui se sont disputées, il le faisait, ce qui a donné comme conséquence que les gens l'aimaient. Il était aimé des gens. Ibn Kathir, rahimahullah, dans un de ses témoignages concernant Ibn al-Qayyim, car on le verra tout à l'heure, Ibn Kathir était un élève d'Ibn al-Qayyim. Les bons donnent des bons. Il dit que les gens l'aimaient et qu'il aimait les gens. Et Ibn Kathir, il était fier de dire, et moi, j'étais la personne qu'Ibn al-Qayyim il aimait le plus. Après la mort de son cheikh Ibn Taymiyyah, rahmahoullah. Et wallahi, quand tu es aimé de quelqu'un que tout le monde aime, wallahi, c'est un fakhr, c'est une fierté. Imagine demain, je viens, je te dis, Cheikh Al-Fawzan, il t'aime. Tu vas dormir? Pas forcément, je dors pas. Taïb. Aussi, parmi ces caractères particuliers qui se doivent d'être des qualités chez nous tous,
c'est qu'il épargnait aux gens son mal. Et ça, c'est un des points qui définissent le bon comportement. Comme il a été rapporté d'après plus d'un prédécesseur. Le bon comportement, c'est bazlul nada wa kufful adha wa talaqatul wajh. C'est donner tout ce qu'on peut donner comme bien et épargner aux gens son mal. Et parmi ce mal, entre guillemets, que les gens n'ont pas vu chez Ibn al-Qayyim, c'est al-hasad. Al-hasad, c'est ce qu'on pourrait traduire en français par l'envie. Il y en a qui disent la jalousie. J'ai peur des amalgames quand je dis jalousie. Il y a un frère, je lui ai dit, et un frère il me dit, on m'a dit, c'est haram, al-hasad. Je dis, non. Il me dit, moi je suis jaloux avec ma femme, comment je fais? Je dis, non, c'est deux choses différentes. Il y a le ghayra et al-hasad. D'accord, la jalousie et l'envie. D'accord, comme envier quelqu'un. Et comme il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, pour définir l'envie, al-hasad, il dit antatamanna zawal an-ni'mati an akhik. Que tu espères que la ni'ma que ton frère il a, il ne l'est plus. C'est ça al-hasoud. Al-Qahtani rahimahullah dit dans sa Nouniya, لا تحسدن احدا على نعمائه ان الحسود لحكم ربك شاني. N'envie personne sur les bienfaits qu'Allah lui a donné. Certes, al-hasoud, l'envieur ou la comment on dit, celui qui envie beaucoup, comment? L'envieux, barakallahu fik. M'a sauvé d'un. L'envieux, il déteste. Isma' mlih, il déteste le décret de ton Seigneur. Parce qu'Allah il a choisi que lui il ait cette chose, toi tu ne l'as pas. Et toi le fait que tu ne veuilles pas que cette personne il l'ait, que tu détestes qu'il ait cette chose là et que tu aimerais qu'il ne l'ait plus, ben c'est comme si tu n'étais pas d'accord avec le fait qu'Allah il ait choisi cette personne pour qu'il ait cette chose là et que tu ne l'aies pas. Fais attention au hasad ya akhi. Al hasad da'un qatilun. C'est un mal meurtrier. Et c'est ce qui a causé la perte de Iblis. Comme il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Al-usul al-khataya. Usul al-khataya. Usul al-khataya thalatha. Et tu trouves ça dans Kitab al-Fawaid d'Ibn al-Qayyim. Lis-le. Lis tous les livres d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit les mères, les origines des grandes erreurs sont au nombre de trois. Al-hasad, al-kibr, wal-hirs. Al-hasad, wal-kibr, wal-hirs. L'envie, Iblis, il a envié Adam, alayhi salam, lorsqu'il a vu l'honneur qu'Allah lui a fait en ordonnant aux anges de se prosterner devant lui. Et l'orgueil a poussé Iblis à refuser de se prosterner. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé d'argile. Ana khayrun minhu. Je suis meilleur que lui. Lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Lam akun li ashab an-nahw. Il est où Yassine? Ashab an-nahw ils me diront c'est quoi? Lam al-juhud. Ça c'est une négation particulière que vous aurez le plaisir d'étudier avec Yassine quand vous ferez les cours d'arabe avec lui. Et dernièrement, el-hirs, c'est l'acharnement, si on peut se permettre une traduction telle que celle-ci, qui a amené Adam alayhi salam à manger de l'arbre qu'on lui avait interdit. Taïb. Donc le hasad fait partie des fautes qui ont été faites en premier dans la création. Ibn al-Qayyim rahimahullah n'était pas envieux. Il n'avait de l'envie envers personne. Et il ne dénigrait personne.
Et il ne citait les défauts de personne. Il ne citait les défauts de personne. Hein? Il y a deux hadiths. Le premier est al-Tirmidhi, le second je ne m'en souviens plus. Les deux sont daïfs, je vous le dis tout de suite. Les deux ils sont daïfs. Et même un khilaf sur le deuxième comme quoi il est maudou. Après le chat ils sont daïfs. D'accord? Cheikh al-Uthaymin, rahimullah, il évoque ces deux hadiths, min bab, taqwiyat al-ma'na. Comme quoi le sens, pour renforcer le sens. Juste ces hadiths, même s'ils ne sont pas authentiques, leur sens il est réel. Il disait. Allah Tawfiq, pour s'en souvenir. Man ayyara akhahu ala dhanbin lam yamut hatta yaf'alah. Man ayyara akhahu ala dhanb. Celui qui critique son frère sur un péché ne mourra que lorsqu'il l'aura commis. Ouais, hadith da'if hada. Lam naqul qala Rasulullah, la. لكن الشيخ العثمين رحمه الله يدي معناه صحيح خلي عليك حديث ولا غير حديث mais l'information qui est véhiculée à travers ce hadith elle est réelle من حيث الواقع dans la réalité on a vu بالتجربة beaucoup de gens qui se sont permis de critiquer des gens qui faisaient des péchés on les a vus plus tard faire les mêmes choses je ne sais pas vous avez combien de temps dans l'iltizam dans l'istiqama moi je dois en avoir une dizaine d'années j'en ai vu des choses. J'en ai vu. Je pense que les frères qui ont plus d'années que moi, ils ont dû en voir encore plus. Deuxième hadith. Naam. La tuzhiri shamatata ala akhik fayu'afihi Allah wa yabtalik. La tuzhiri shamatata ala akhik fayu'afihi Allah wa yabtalik. Ne montre pas une animosité envers ton frère parce qu'il a commis un péché. Peut-être qu'Allah lui fera miséricorde et il t'éprouvera avec le même. Taïb, si vraiment tu as quelque chose à reprocher à ton frère, va le voir, bismillah. Prends-lui la main, isole-toi avec lui. Ya Akhil Karim, Ya Abdallah, tu as dit telle chose. Tu as fait telle chose et tu n'avais pas la... Tu ne devais pas faire ceci et cela. Taban, bien sûr, mustashiban al-ahadith ou al-adilla sahiha. D'accord ? Bien entendu, en accompagnant ta nasiha avec les preuves authentiques. Taïb. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas écouté ta nasiha la première, du premier coup, que ça y est, khlas, tahkum alayhi, ça y est, il est fini. Isbir ma'a. Patiente avec lui. Wa tawassaw bil haqq. On se recommande mutuellement la vérité. Wa tawassaw bil sabr. Et on se recommande mutuellement la patience. Alors on a vu quoi avec Abu Zayd Hafidahullah quand il a dit que le prophète alayhi salatu wasallam, il patientait avec son oncle dans le da'wa jusqu'au dernier souffle qu'il a eu. Et ba'dul mu'arrikhin yadhkuruna annahu kana yazuru 'ammahu 70 marra kull yawm. Il y a certains historiens qui citent que le prophète alayhi salatu wasallam, visitait son oncle kafir 70 fois par jour pour qu'il dise la ilaha illallah. Toi, tu lui aurais dit, Am, qu'on l'a élevé, Allah. Là, khlas, t'as kaf, t'as le nar. T'aurais dit, Allah, t'aurais dit, je sais pas, t'aurais dit quoi. Hein? Then, qu'on comprenne les choses, comment il faut qu'elles soient faites. Donc, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, la yu'idhi ahadan, bi qawlin aw fi'al. Il ne fait de mal à personne, que ce soit avec sa langue ou avec ses mains. Il ne critique personne dans ses défauts. Taïb, il ne critique personne dans ses défauts ou bien dans ses péchés. Hein? Il n'est pas envieux et il ne dénigre personne. Il ne dénigre personne. Et ça, c'est un témoignage d'Ibn Kathir, rahimahullah. On l'a dit tout à l'heure, Ibn al-Qayyim était quelqu'un de ferme dans ses convictions. Et lorsqu'il avait un avis, il ne pouvait pas revenir dessus. Sauf bien sûr si on lui montrait le haq bil adilla. Maintenant, s'il avait un avis et que tout le monde était contre lui, mais qu'il n'était pas capable de lui prouver qu'il avait tort, alors il restait ferme dans ses positions. Même si ça devait lui attirer des ennuis comme aller en prison
ou être frappé ou autre. Et là, j'aimerais, Akhi al-Karim, que tu te dises en toi-même, et que tu penses tout à l'heure, quand tu as vu Bouzaïd, il est là ou il n'est pas là, là ? Il n'est pas là. Je ne vais pas faire comme lui fait. Hein ? J'ai vu qu'il avait, il avait un truc dans les yeux, qu'il grattait. Je me demandais qu'est-ce qu'il avait. Après, quand il a dit, subhanallah, c'est vrai. Wallah, Yahi, regarde la facilité que tu as eue pour être comme tu es là. Si quelqu'un est venu te voir pour te mettre un couteau sous la gorge, te demande, t'es obligé de te raser la barbe, ou bien t'interdire de mettre le qamis, ou bien de t'interdire d'aller à la mosquée, ou bien ce quelqu'un t'a pris par la main et t'a dit Okfur billah, sinon je te coupe la main. Ce quelqu'un t'a dit dis que le Coran il est créé, sinon tu seras fouetté pendant des semaines. Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Tranquille. Toi, t'as eu droit au pack. Tout en un. Tout en un. C'est-à-dire, Taurus, dans ta langue, apprends pas l'arabe, c'est pas la peine, c'est en français. Chez toi, pas besoin de voyager chez les savants. Quoi ? On est chauffé, on mange. Taï, des frères, c'est pas loin de la maison. Si c'est loin, il y a la voiture, il y a le train, il y a l'avion, il y a tout. Taï, est-ce que tu as été éprouvé dans ton dîn ? Est-ce que tu as été éprouvé dans ton dîn ? C'est là qu'on voit les vrais. C'est ceux qui sortent de l'épreuve dans leur dîn victorieux. Hein ? Vous connaissez Khoubaïb ibn Adi, radiyallahu anhu, un compagnon qui a été emprisonné par Quraysh en le trahissant. Ils lui ont fait croire qu'il y avait un sulh, qu'il y avait une réconciliation possible, alors il est venu à eux et ils sont tombés sur lui. Alors ils ont jugé qu'ils allaient le tuer. Ce qu'on appelle tamthil, c'est une mutilation à tamthil. Lorsque le jour prévu est arrivé, ils sont sortis. Tout le monde est sorti. Et ils ont été à Tan'im, cette zone dans laquelle vous allez, quand vous faites le hajj, vous remettre en ihram. Ce qui est connu plus par les femmes qui à cause de leurs règles, ont raté tawaf al-ifada pendant le hajj et qui vont refaire l'ihram avant de rentrer chez elles. Ala kulli hal, Tan'im, c'est une mantiqa, c'est une zone dans la périphérie de la Mecque, à l'extérieur de l'hil, à l'extérieur pardon, du haram, de la zone sacrée. Ils l'ont poussé jusqu'à là-bas. Les enfants lui jetaient des pierres, les femmes elles le poussaient, les gens ils criaient. Ensuite, ils l'ont porté, ils l'ont mis sur une planche ou là une table et ils l'ont accroché. Et ils lui ont coupé chaque membre. Ils lui ont coupé les doigts, ensuite les poignets, ensuite les coudes, ensuite les épaules, taille. Et Abu Sufyan, radiallahu anhu, qui à l'époque n'était pas encore musulman, lui dit à Khoubaïb, تحب أن محمد المكانك وأنت آمن في أهلك. Dieu, est-ce que tu aimerais que Mohammed soit à ta place et toi tu sois à l'abri chez ta famille? Khoubaïb a répondu, radiallahu anhu, il a dit, la uhibbu an yakuna muhammadan an akuna fi bayti fi ahli aminan wa an yushaka muhammadun bi shawka. Il a dit, je n'aimerais pas être auprès de ma famille en sécurité et que Muhammad soit piqué par une épine. T'aurais dit quoi, toi?
T'aurais dit quoi à toi? Est-ce que tu as été éprouvé dans ton dîn? Dans quoi tu as été éprouvé? T'as perdu ton travail? Ta voiture elle était en panne? T'es tombé malade? C'est ça tes épreuves? Ibn al-Qayyim rahimahullah yaqulu al-haqq wa yasma'u bih. Il a un avis. On aurait pu dire c'est une mas'ala fiqhiya al-khilaf fihi wasi'. C'est du fiqh. C'est pas grave, la divergence elle est large. Non, huwa yatba'u ad-dalil. Il suit ad-dalil. Et il dit le haqq il est avec dalil. Faites-moi ce que vous voulez, je ne reviendrai pas dessus. Frappez-moi, fouettez-moi. Il le ligotait, il le mettait sur le dos d'un âne, il lui faisait tour de la ville avec. Il disait, regardez Ibn al-Qayyim, regardez Ibn al-Qayyim. Et qu'est-ce qui se passe? Des siècles après, on parle encore de lui. Hada ma'al al-siddiqin. C'est ça la finalité des pieux et des véridiques. Toi, tu vas mourir, tu vas laisser quoi derrière toi? Des dettes? Des gens qui parlent sur toi en mal? Des enfants mal éduqués? Des femmes qui se plaindront de toi? Qu'est-ce que tu vas laisser? Yahri, n'oublie pas l'intérêt de ces cours-là. Et wallah, un des points les plus impressionnants chez Ibn al-Qayyim dans ses qualités, wallah, c'est un point que j'ai honte d'aborder. Il s'agit de sa modestie. Il y a des gens, subhanallah, lorsqu'ils veulent paraître modestes, astaghfirullah, tu n'y crois pas. Et peut-être même que j'en fais partie. Tu dis, non, moi je suis rien, moi je connais rien. T'as vu. Wallah, et plus tu connais Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et plus tu vois dans ses livres, des paroles faisant allusion à lui-même, dans lesquelles il fait preuve d'une modestie sans pareil. Et il a tendance à se minimiser à un point où on a l'impression qu'il n'a aucune valeur. Dans un de ses livres, qui s'appelle Tariq al-Hijratayn, Wabab al-Sa'adatayn, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il parle du verset où Allah Ta'ala il dit: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ensuite nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Tu sais c'est qui? C'est toi et c'est moi, ya. La communauté du prophète, alayhi salam. Parmi eux, zalimun li nafsi. Il y en a qui se font du tort à eux-mêmes. Ibn Qayyim parle de ce verset et il commence à te décrire chacune des trois catégories. Il dit, zalimun li nafsi, c'est celui qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Un résumé, c'est celui qui est négligent dans ses obligations et qui fait des interdictions. Ensuite, al-muqtasid. Muqtasid, c'est celui qui est au milieu. Il fait son wajib et il enlève, il ne fait pas le haram. D'accord? Et ça, c'est les deux catégories qu'il y avait chez Banu Israël. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Chez Banu Israël, il y avait ces deux catégories. Soit le zalim li nafsi, celui qui se fait du tort à lui-même, soit le muqtasid, celui qui fait le wajib et qui délaisse le haram. Ils n'avaient pas la troisième catégorie. Et Allah il dit après, wa kathirun minhum fasiqun, et la plupart d'entre eux étaient des pervers. Mais chez nous, on a une catégorie 3 en plus. Wa minhum sabiqun bil khayrati bi idhnillah. Et parmi eux, il y en a qui devancent les autres avec quoi? Avec le bien. Avec l'aide de qui? Avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Wallahi, quand il parle du muqtasid, toi quand tu lis le verset, tu te dis quoi? Moi je suis un muqtasid. Tu veux faire du tawadu, tu veux dire moi je vais pas me mettre dans la dernière catégorie, la plus grande, je vais me mettre dans celle du milieu. Mais après quand il t'explique c'est quoi un muqtasid, tu dis oh là là,
On n'a pas la même vision du muqtasid. Tu dis le muqtasid, il se réveille avant le soubh, il fait quelques raka'at. Ensuite, il va à la mosquée, il fait le fajr. Et il reste jusqu'à l'shuruq à faire le dhikr. Ensuite, il fait raka'atayn. Il rentre chez lui. Ensuite, il a un peu de Qur'an. Ensuite, il attend jusqu'à dhuhr, il fait al-rawatib. Non, il fait dhuha. Ensuite, jusqu'à dhuhr, il fait al-rawatib. Après, il prie dhuhr. Après dhuhr, il fait al-ratib encore. Je te passe la journée. Wallah, quand tu lis la journée du muqtasid, tu dis, je sais, moi j'ai lu ça, je ne connais pas de muqtasid. Et après, il dit, wa amma sabiqu bil khayrat. Et maintenant, on va parler du top. As-sabiq bil khayrat. Wallahi, les frères qui comprennent l'arabe et qui le lisent, je vous invite à aller lire ce qu'il a dit dessus. Tariq al-hijratayn. Avant de commencer, il dit wa qabla an nasifa haula nastaghfirullah min an nasifa aqwaman lam nashum lahum ra'iha. Ibn al-Qayyim dit, je demande à Allah pardon de décrire un type de personne desquelles on n'a même pas senti l'odeur. Des gens, c'est Ibn al-Qayyim qui parle, des gens qui sont loin de nous, dans leur ibadat, dans leur adhkar, dans le lien qu'ils ont avec Allah Azza wa Jal, dans la lecture qu'ils ont du Coran, hein, dans leur foi. Ibn al-Qayyim te dit ça. Il y a un de ses élèves qui a rapporté un poème, parce qu'on a oublié de le dire, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, était un poète. Un grand poète. D'ailleurs, vous connaissez tous Al-Kafiyat al-Shafiyah fil intisar lil-firqat al-Najiyah, celle qui est connue bi Al-Nuniyah. Le poème, il y a à peu près 5390 baïts. Vers, à peu près, d'après ce qu'il dit Bakr Abou Zayd rahmatullahi alayhi, en fonction des nusakh, parce qu'il y a plusieurs éditions, du moins plusieurs versions, et des fois il y a des abiyat en plus ou en moins. Ce poème immense dans lequel Ibn al-Qayyim rahmatullahi faisait un secours de Ahl al-Sunnah wal Jama'a al-Firqatun Najiyah, dans l'Aqidah, dans d'autres abwab. Et je pense que vous avez tous écouté, plus ou moins, ça tourne sur internet, Wasful Jannah, la description du paradis. On trouve des gens qui la récitent. Ya taliban, ya taliban, husn, khayr al-hisan, ya qasidan, n'am, ya khatiban, khayr al-hisan wa taliban li wisalihin bi jannati al-hayawan, law kunta tadri man khatabta wa man talabta, la badalta ma tahwihi min al-athman ila akhirih. Hein? Ça bête, ils sont connus. Les ulama, ils en parlent souvent. Cheikh Mahmoud Khalil al-Harras, rahimahullah, il a fait un sharh sur an-Nuniya. On a Abu Isa. كذلك لنا في هنا التعليقات الشيخ صالح الفوزان ولا التعليقات الشيخ العثيمين ولا التعليقات الشيخ ابن باز رحمة الله عليهم et j'en pense. C'est un livre très important que le talib ilm ne peut pas étudier. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a fait un poème dans lequel il parle de lui. Wallahi, la première fois que j'ai lu ce poème, j'ai pas cru mes yeux. C'est un poème très court qui a une dizaine de vers. Je vais vous le lire. Donc vous savez maintenant qu'Ibn al-Qayyim, son père il s'appelait Ayyub. Et le père de son père il s'appelait Abu Bakr. D'accord ? Et lui, il commence chacun de ses abiyats, chacune de ses abiyats, chacun de ses vers avec la même phrase. Bunayyu Abi Bakrin. Bunay, c'est le Moussaghar de Bani, le petit fils, pas le petit fils comme le fils du père, là, un fils mais petit. Ça c'est Ishara ila tahqir, pour montrer comme quoi il commence en parlant de lui, mais en se mettant au plus bas degré. Il parle de lui. Il dit, écoutez-moi, Bunayyu Abi Bakrin kathirun dhunubuhu. فليس على من نال من عرضه إثم. Dit le fils de Abu Bakr a beaucoup de péchés. Alors celui qui touche à son honneur, je ne lui en veux pas.
بني أبي بكر جهول بنفسه جهول بأمر الله أنى له العلم. Le fils de Abu Bakr est ignorant de lui-même, ignorant de l'ordre d'Allah. Comment aurait-il de la science? بني أبي بكر غدا متصدرا يعلم علما وليس له علم. بني أبي بكر, demain il sera mis en avant. Il enseigne une science alors que lui il n'en a pas. بني أبي بكر يرى العزم في الذي يزول ويفنى والذي تركه الغنم. بني أبي بكر, il met ses efforts et son acharnement dans ce qui part et ce qui périt, yani ce bas monde. والذي تركه الغنم, ce bas monde que le fait de le délaisser, c'est ça le butin. Donc là, il te fait croire qu'il convoite ce bas monde. Enfin, il te fait comprendre que c'est lui l'impression qu'il a de lui-même. Il te fait comprendre que l'impression qu'il a de lui-même, c'est que ce qu'il fait, c'est pour ce bas monde. Alors que celui qui veut gagner, eh ben, il doit délaisser ce bas monde. بني أبي بكر لقد خاب سعيه إذا لم يكن في الصالحات له سهم. بني أبي بكر, tout ce qu'il a pu faire comme action seront rejetés s'il n'a pas une part dans les actions pieuses. بني أبي بكر كما قال ربه هلوع كنود وصفه الجهل والظلم. بني أبي بكر est tel que son Seigneur a dit, halou' ingrat, kanoud un équivalent, wasfuhu al-jahl wa al-dhulm, il a été décrit par l'ignorance et l'injustice. Et ça, c'est dans beaucoup de versets du Coran. Inna al-insana khuliqa halou'a, pour le halou'. Et l'autre c'est inna al-insana li rabbihi la kanoud. Et l'autre, وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Il a dit, Ibn Abi Bakr, il est comme Allah, il a dit, halou', kanoud, ingrat, jahil, ignorant, ظلوم, injuste. بني أبي بكر وأمثاله غدا بفتواهم هذه الخليقة تأتموا. بني أبي بكر lui-même et ses semblables, avec les fatwas qu'ils donnent, ont fait de la création, ont fait que la création les prenne comme guide. On fait que la création les prenne comme guide. Donc tu comprendras avec la suite. وليس لهم في العلم باع ولا التقى ولا الزهد والدنيا لديهم هي الهم. Il fait Bunay Abi Bakr et ses semblables, avec leur fatwa, ils ont fait que les gens les prennent comme guide. Alors que lui et ses semblables n'ont pas de part dans la science, ni dans la piété, ni dans l'ascétisme. Et pour eux, le seul souci, c'est ce bas monde. Là, c'est, il parle de lui-même. Il y a le dernier bait. Il dit فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الصَّحَابَةَ شَاهَدُوا أفاضلهم قالوا هم الصم والبكم. Dit Wallah, si les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam avaient vu de leurs yeux Ibn al-Qayyim et ses semblables qui sont les guides des gens de son époque, ils auraient dit ceux-là, ils sont aveugles, ils sont sourds et aveugles. Pas les gens qui les suivent, Ibn al-Qayyim. Et ce principe, il a été repris par Al-Zahabi, rahimahullah, dans un poème qu'il a dit. Il disait لِيَوْمِ الْحَشْرِ قَدْ عَمِلَتْ أُنَاسٌ فَصَلُّوا مِنْ مَخَافَتِهِ وَصَامُوا وَنَحْنُ إِذَا أُمِرْنَا أَوْ نُهِينَا كَأَهْلِ الْكَهْفِ أَيْقَاظُ النِّيَامُ. Il disait, pour le jour du jugement, il y a des gens qui ont agi. Alors ils ont prié par crainte d'Allah et ils ont jeûné. Et nous, lorsqu'on nous ordonne ou on nous interdit, on est comme les gens de la grotte. Tu nous vois réveillés, mais en vrai, on dort.
الذهبي رحمه الله un élève d'Ibn al-Qayyim. Regarde comment il parle d'eux. Et nous, quand on se voit, Masha'Allah, akhi, Allah ybarak, Masha'Allah. Bon, je ne peux pas trouver des compliments à donner vu que tu n'en as pas. Alors on reste sur le Masha'Allah. Mais à la kulli hal, on est déjà au paradis. C'est bon. J'ai mis un qamis, ça y est, je vais au paradis. Voilà, les frères, si c'était si simple. Et ils mettaient les qamis aussi, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. La sunna, elle a porté, alhamdulillah. Et il a porté mieux que nous. Sans aucun doute. Et pourtant, quand ils entendaient les gens de l'enfer, quand ils entendaient les châtiments, eh ben, ils pensaient à eux, ils ne pensaient pas aux autres. C'est ça la différence entre nous et eux. C'est quand on entend parler du châtiment, nous, on pense, ah ouais, je connais un cousin, il est comme ça. Je ne dis pas, c'est moi, ça peut m'arriver, ça. Non, il dit pas peut-être que c'est moi qui parle. Là, il pense direct à son voisin, son cousin ou à quelqu'un d'autre. Pense à toi, Yahri. Pense à toi. Ils ont été voir l'imam Ahmed, rahimahullah, l'ont dit chir. Qui a raison, Mouawiya ou Ali? Comme aujourd'hui, on peut revenir te voir, on te dit, t'es avec qui toi? Chikhatel ou Chikhatel? Ah, t'as pas le droit à l'erreur là. Tu donnes le mauvais nom, non, ça y est, mchit. Alors ils ont fait la même chose, les mêmes Ahmed, rahmallah. Ils ont dit, Shir, Mala haq, Omana ala sawab, Ali ou Muawiya. Vous connaissez la qissa entre Ali et Muawiya? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, les mêmes Ahmed, rahmallah? Chauffe le zaka, chauffe l'intelligence. Il a regardé comme ça, il lui a dit, Tilka ummatun qad khalat. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Là, dit, voici une communauté qui est passée. Ils auront ce qu'ils ont acquis comme récompense ou autre, et vous, vous aurez de même. Et vous ne serez pas interrogés sur ce qu'ils ont commis. Vous ne serez pas interrogés sur ce qu'eux, ils ont fait. Pourquoi tu me demandes? Après qu'on ait parlé de Akhlaq ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'on ait un léger aperçu sur sa ibada, comment il adorait Allah tfadal, Azza wa Jal. Ibn al-Qayyim était connu en premier dans Majal al-Ibada pour la prière. Comme on l'a dit, c'était un imam dans la mosquée, dans l'école où il a étudié, dans laquelle son père était le directeur. Il était imam. Et les gens souvent lui faisaient le reproche de prier trop longtemps. Il lisait le Coran de façon lente. Et il répétait les versets. Et il lisait des longues sourates. Et quand il faisait des recours, ils étaient longs. Et quand il faisait des soujouds, ils étaient longs. Et des gens venaient le voir et lui disaient, « Ya Sheikh, hawin alayna, anta tawalt. » Doucement, khafif, allège la prière. Et lui, il ne changeait pas ses habitudes. Bien sûr, il respectait la sunna dans la durée de la prière. On connaît la qissa de Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, et salat al-Isha. Afattan anta ya Mu'ad, est-ce que tu es un semeur de troubles? Lorsqu'il a prié le Baqara dans l'Isha, non. Il faut respecter la sunna dans les surahs qu'on récite, dans les prières obligatoires. Taïb. Comme la salat al-fajr, sunna c'est de la faire longue. Le maghrib, des fois il la faisait longue, des fois il la faisait courte. Il a été rapporté de façon authentique, le prophète alayhi salatu wasalam, il a lu surat al-a'raf entière dans le maghrib. L'a'raf il disait « Atwal al-tulayn ». C'est la plus longue des deux longues, entre Ali Imran et Al-A'raf. Al-A'raf est plus longue qu'Ali Imran. Le prophète l'a lu en entier dans le Maghreb, dans Salat al-Maghreb. Donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, respectait la sunna dans les surahs qu'il lisait en prière. Même si ça paraissait long pour les gens et qu'il se plaignait à lui, et bien lui, il restait sur ses principes. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, était quelqu'un qui avait
une habitude à laquelle il ne faillissait jamais, c'est la prière de la nuit. قيام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Et dans la nuit, veille avec le Coran. تهجد به نافلة لك, des actions surrogatoires pour toi. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Peut-être que ton Seigneur t'élèvera par le biais de cette action dans un rang louable. Qiyamul layl, la prière de la nuit. Cette ibadah, cette adoration, kadat an takuna mansiya wa kadat an takuna nasyan mansiya fi hadha al-jil illa man rahim Allah. Cette adoration qui est presque devenue un oubli dans notre génération. Mes frères, je pense que la plupart d'entre vous ici avaient déjà eu l'occasion de voyager avec d'autres frères. Et on est très fort pour passer des nuits blanches à discuter de tout et de rien. J'ai acheté une voiture. Hein, mon voisin, je me suis embrouillé avec lui. On a fait un match de foot. Je t'en passe, c'est des meilleurs au niveau des sujets. Et ça m'arrive de me réunir avec des frères et passer de longs moments, la nuit, à perdre notre temps. Des fois jusqu'à soubh. Des fois jusqu'à soubh. Et dans mon souvenir, j'ai en tête un frère qui s'éclipsait pour faire l'outre. Pour faire l'outre quelques minutes avant le fajr. C'est le seul qui y pensait. Ça veut dire qu'à notre niveau, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui pense à faire l'outre avant le fajr. Après une nuit blanche, à manger des pizzas et à boire du coca. Hein? Aïna souwam ul qouwam. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah dit sur Qiyam al-Layl. Non, ça me ferait du mal à moi, en fait, en premier. Mais, Wallah, celui qui sait que le seul moment où il peut être seul avec Allah Azza wa Jal, à un moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il vient vers toi et il te dit qu'il m'invoque, que je lui donne ce qu'il veut, qu'il implore mon pardon, que je lui pardonne, qui me demande que je lui réponde. Toi, tu sais ça. Et tu ne te réveilles pas au moins une demi-heure avant le fajr pour dire ya Allah, pardonne-moi. C'est que un roi va venir demain dans ta ville pour distribuer aux gens des cadeaux, pour distribuer aux gens des trésors, et qui viendra dans un mois, et tu sais quel jour il va venir et à quelle heure il va venir. Billahi alayk, est-ce que tu serais pas là-bas en avance des heures, voire même des jours? Et Allah Azza wa Jal, tous les soirs, toutes les nuits descend au ciel de ce bas monde. فيقول هل من داع فاستجيب دعاءه هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له
Et tu dors. Et tu dors. Ils ont demandé à Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. Ils ont dit à Cheikh, j'aime Qiyam al-Layl. Et avant de dormir, je prépare de l'eau pour faire les ablutions. J'arrive pas à me réveiller. Al-Fudayl, rahimahullah, il a dit, Qiyam al-Layl, c'est un des plus grands honneurs qu'Allah donne à son serviteur. Et il ne donne pas à n'importe qui. Et ils ont demandé à Hassan al-Basri, rahimahullah, Ya Hassan, pourquoi on n'arrive pas à faire Qiyam al-Layl? Il a dit, Kabbalatkum khatayakum. Il a dit, vos péchés vous ont enchaînés. Ils ont dit, Al-Hassan, Ya Al-Hassan, pourquoi les gens qui font Qiyam al-Layl sont les gens qui ont les visages les plus resplendissants? Il a dit, ce sont des gens qui se sont isolés avec Allah, qui ont eu une intimité avec Allah, alors il leur a donné de sa lumière. Tu voulais savoir ce que nous le dit sur Qiyam al-Layl, maintenant tu le sais. Et je t'avais dit que ça faisait mal. Ibn Qayyim rahimahullah, il faisait Qiyam al-Layl. Il n'y a pas une nuit où il a failli à ce rendez-vous qu'Allah Azza wa Jalla lui fixait. Ibn Qayyim rahimahullah faisait beaucoup de dhikr. Il était connu pour rester longtemps après Salat al-Fajr à l'endroit où il a prié à faire du dhikr. Jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel. Et lorsque les gens lui disaient, eh, Cheikh, le soleil il est levé depuis longtemps. Il disait, ce moment, c'est mon repas. Ce dhikr que je fais, c'est mon repas. Et si je le délaisse, je perds mes forces. Si je le délaisse, je perds mes forces. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'attendrissent? Hein? Après le Fajr, tu as l'impression qu'il y a une course. Le premier qui arrive dehors, il a gagné. Pour faire quoi? Pour avoir droit à ce qu'on appelle entre nous la deuxième mi-temps. Sah ou lala, il y a un athar. Je vous le rapporte en vous stipulant que je ne sais plus s'il est authentique ou non. Donc ça a vérifié avec Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ils lui ont dit, est-ce que tu dors après le Fajr? Il s'est énervé. Il est devenu rouge. Il a dit, ni moi, ni ma famille, ni mes enfants, on dort après le Fajr. Il a pris ça comme une insulte. Et nous, combien de temps on dort? Ibn Qayyim rahimahullah, comme on l'a vu, lisait le Coran différemment de la plupart des musulmans. Lorsqu'il lisait le Coran, il obéissait à Allah Azza wa Jal comme il le dit. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne vont-ils pas méditer sur le Coran? Ou bien est-ce que sur leur cœur il y a des cadenas? Ibn Qayyim rahimahullah, il lisait le Coran de nombreuses fois. Ce qui, grâce à Allah, lui a permis d'en sortir d'innombrables trésors. Wallahi, quand tu écoutes, quand tu lis le tafsir du Coran avec Ibn al-Qayyim, tu as l'impression qu'il te parle d'un autre livre. Tu as l'impression qu'on ne lit pas le même livre. Il te ramène un verset, il te dit « وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ الْفَوَائِدِ مَا يَلِي » Et c'est parti. Et dans ce verset, il y a comme leçon ce qui suit. Et 1, 2, 3, 10, 20, 40, mais tu dis « Subhanallah ». Où il va chercher tout ça? Un verset! Je ne sais pas si tu arriveras à sortir autant de fawaïd dans 10 hizb. Même Hatta ibn Kathir et ibn Rajab, rahmatullahi alayhima, il disait qu'Ibn al-Qayyim, lorsqu'il était en prison, il passait son temps à lire le Coran. Il ne faisait que ça. Et c'est dans ces moments-là qu'il en retirait le plus de leçons. Et enfin, une de ses particularités dans l'ibada, c'est qu'il était très attaché au hajj. Il a fait de nombreux voyages vers la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Il a d'abord une qasida qui s'appelle Al-Mimiyah, que Cheikh Al-Uthaymin rahmatullahi alayhi a expliqué. Vous trouverez ces cassettes dans le site.
Cette qasida, ce poème, se finit par des mimes. إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة خير أمال أمارة أمارة سلام جبلي خير إن شاء الله. على كل حال un poème dans lequel Ibn al-Qayyim rahimahullah il a fait dans son voyage en allant à Mecca. Et ce poème là il parle de Arafat, il parle de Muzdalifa, il parle de Mina. Il parle du tawaf, ou mes frères qui vont aller faire le hajj. Wallahi, habbada law tala'tum ala hadihi al-qasida. Ceux qui vont faire le hajj cette année, inshallah, s'ils le peuvent, qu'ils lisent ce poème. Et encore mieux, qu'ils regardent ce que les savants disent dessus. Wallahi, quand vous serez sur place, ce ne sera pas la même chose. Quand il était là-bas, les gens de Mecca, ils disaient, wallahi, cet homme-là, il est ajib. Comment il, tellement il adore Allah. Il disait chaque fois qu'il le pouvait, il faisait tawaf. Il avait des particularités, yarhamukallah, dans l'ibada quand il était à Mecca, qu'il ne voyait pas chez les autres. Al-tawaf, wal-Qur'an, wal-qira'at al-Qur'an, wal-salawat. Il sait que raka'atayn à Mecca, c'est 100 000 raka'a ailleurs. Alors il faisait des raka'at, des raka'at, des raka'at, des raka'at. Et remplissait Shafak Allah wa afak wa ja'al al jannata mathwak. Idhan, il faisait beaucoup d'adoration. Et Ibn Qayyim dit de lui-même que j'ai connu l'effet bénéfique de Zamzam quand j'étais sur place, car il est tombé malade. À un point, il n'arrivait plus à bouger. Il n'arrivait plus à bouger. Et il prenait Zamzam et sur le verre, il lisait le Fatiha plusieurs fois de suite. Et il le buvait. Et grâce à Allah Azza wa Jal, il ne ressentait plus aucune douleur. Et chaque fois qu'il le faisait, il se rendait compte à quel point c'était bénéfique. Et quand les gens venaient se plaindre à lui de maux, de difficultés de santé ou bien des maladies, il leur disait de faire la même chose. Et il voyait que chez les gens, ça provoquait les mêmes, les mêmes réussites. On a dit, Ibn al-Qayyim, en chemin vers Mecca, il a écrit Al-Qasidatul Mimiyah. Et sur place, pendant son hajj, il a écrit Miftah Dar al-Sa'ada. Tout seul, sans aucun livre, enfin, pas de livre avec lui, pas de une aide intermédiaire. Tout de ma'indahu min al-ma'addati al-ilmiyya. Tout ce qu'il a en lui-même comme bagage en science. Donc il faisait beaucoup le hajj. Il faisait beaucoup de tawaf. Et il lisait beaucoup le Coran. Et enfin, j'ai dit enfin tout à l'heure, c'est enfin ici, ce qu'on appelle le zuhd. Zuhd que m'a arrafahu l'ulama, tarku ma la yanfa'u fil akhira. En français, ils disent l'ascétisme. Mais la bonne définition du zuhd, c'est Al-Dhahabi rahmallah qui la donne, dans ce siyar, il dit, c'est le fait de délaisser ce qui ne t'est pas utile pour l'au-delà. Le fait de délaisser ce qui ne t'est pas utile dans l'au-delà. Hein? Et le wara'a. Al-wara', c'est le fait de délaisser ce que tu crains qu'il te soit nocif dans l'au-delà. Ce que tu crains qu'il te soit nocif dans l'au-delà. Taïb, donc al-zuhd, t'as pas compris? Oulala? Je répète, al-zuhd, c'est le fait de délaisser ce qui n'est pas utile devant Allah Azza wa Jal. J'en ai pas besoin devant Allah, alors je ne vais pas m'encombrer avec. Al-wara', c'est une chose, tu as peur qu'elle te soit nuisible yawm al-qiyam, alors tu la délaisses. Et d'ailleurs, on voit dans Jami' al-Ulum wal-Hikam d'Ibn Rajab al-Hanbali, dans le charh d'un des hadiths, je ne sais plus c'est lequel, il parle, le hadith est taqillaha haythuma kunt, quand il explique la taqwa, il dit que beaucoup de salafs s'interdisait des choses autorisées de peur de tomber dans le haram. C'est ça le wara'. C'est délaisser des choses dont on craint qu'elles nous soient nocives yawm al-qiyam. Ibn al-Qayyim rahimahullah n'était pas connu pour avoir des grandes maisons, avoir des beaux vêtements, avoir une certaine richesse. Là, au contraire, il était connu pour se désintéresser de ce bas monde. D'ailleurs, à titre d'anecdote, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il s'est marié, il a eu des enfants. Et parmi ses enfants, il y a eu deux garçons qui étaient des savants, Ibrahim et Abdallah.
Et son fils Ibrahim, il a eu un enfant qu'il a appelé Ayoub. Et lorsque Ibn al-Qayyim, il a appris la naissance de son petit-fils, donc du fils de son fils, il a voulu lui offrir quelque chose, mais il n'avait rien. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit le livre Tuhfatul Mawdoud fi Ahkam al-Mawlud. Il est traduit en français, je crois, ce livre-là en plus. Et il lui a donné, il lui a dit, tiens, c'est un cadeau pour la naissance de ton fils. Et je ne peux pas te donner, je t'aurais bien donné quelque chose de ce bas monde, mais je n'ai rien. Regarde le cadeau. Il lui écrit un livre, je ne sais combien de temps, qui reste dans les annales, qui est lu jusqu'à aujourd'hui, et qui sera lu après, Inch'Allah, comme cadeau pour la naissance de son petit-fils. Et il lui dit, je t'aurais bien offert quelque chose d'autre, mais je ne possède rien de ce bas monde. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, comme on l'a dit, était le plus grand élève d'Ibn Taymiyyah. Ahmed, Ibn Abd al-Halim, ou Ibn Abd al-Salam, Ibn Abd al-Halim, al-Harrani, Ibn Taymiyyah al-Harrani, al-Mukannabi Abi al-Abbas. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il était en Égypte. Et il est venu à Damas. Du moins, il est revenu à Damas. L'année 713. Et là, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il est resté avec lui. Jusqu'à ce qu'Ibn al-Taymiyyah meure. C'est-à-dire 11 ans après. Non, pardon, 15 ans après. Donc, en fait, il est resté... Pardon, je me suis trompé, il est resté avec lui 16 ans. Ibn al-Qayyim, il est resté avec Ibn Taymiyyah 16 ans. Et je n'exagérerai pas si je dis jour pour jour. Et c'est là qu'on va faire référence à un point important que beaucoup de gens colportent et qu'on entend assez souvent et qui est faux. C'est la fameuse rumeur comme quoi Ibn al-Qayyim était soufi avant de rencontrer Ibn Taymiyyah. Wa hadha khata. C'est une erreur. Hein? C'est une erreur immense. Ils te disent quoi? Madarij Salikin, ça prouve, le sentier des itinérants, qu'Ibn al-Qayyim, il était soufi. Subhanallah, ya akhi, en me disant ça, tu m'as prouvé que tu n'as pas lu Madarij Salikin. Parce que dans Madarij Salikin, il fait rad à la soufia. Subhanallah, il y a un problème. En plus de ça, dans Madarij Salikin, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, soit sa'al tu shaykh al-Islam. Et j'ai demandé à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Alors ils te disent qu'il était soufi avant de connaître Ibn Taymiyyah, et que Madarij Salikin, c'est un livre qui prouve qu'il était soufi, alors que dans Madarij Salikin, il fait un rad sur les soufis, et en plus, ils te disent, j'ai interrogé Cheikh l'Islam. Il y a un problème. Il n'a jamais été rapporté dans aucun des livres d'Ibn al-Qayyim qu'il était soufi. Ni de lui-même, ni que quelqu'un l'ait dit sur lui. Mais Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il avait, comme il dit, cherché la vérité. Il avait cherché la vérité, et quand je lis dans Nouniya, ce fameux poème de 5000 et quelques abiyats, il te dit, et j'ai cherché, j'ai tourné dans les madahib, j'ai tourné dans les groupes, al-Asha'ira, al-Kalam, ilm al-Kalam, al-Ta'wil, hein, ceux qui interprètent les attributs d'Allah Azza wa Jal, ou ceux qui sont rentrés dans la philosophie gréco-romaine et autres. Il a dit, moi j'ai connu ça. Parce qu'avant, il était éprouvé par cela. Et c'est en rencontrant Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'il est revenu dans Ahlu Sunnati wal Jama'a. Amatani Allah wa iyakum ala sabilihim. Qulu amin. Qu'Allah nous fasse mourir sur le chemin d'Ahlu Sunnati wal Jama'a. Oulala. Taï, faites peur là, je rentre chez moi. Hein. Et dans deux passages de Nouniya, il parle de Cheikh l'Islam, il parle d'Ibn Taymiyyah, et il parle de lui, Allahu Akbar. Et il lui montre sa gratitude et sa reconnaissance, et il invoque Allah en sa faveur, et il dit bien qu'il était dans l'ilm al-kalam, dans le entre guillemets, la science du, de la, comment tu traduirais ça? Comment? La spéculation. Oh, je n'ai pas trouvé ce mot-là. La spéculation, c'est, hein, avec de la philosophie, on va, on retourne, on va partout sauf là où il faut aller. Et c'est ça qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il avait avant de connaître Ibn Taymiyyah.
Pas de soufia, mes frères. Deuxièmement, concernant ce qu'on attribue à Ibn Qayyim qui est faux, et ça, il faut avoir lu un peu pour connaître. Certains qui prétendent qu'Ibn Qayyim, rahimahullah, il disait que l'enfer un jour il disparaîtrait. Cette parole-là, là aussi, a été attribuée à Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et ceci est faux aussi. Et si on nous dit que dans Kitab al-Ruh et dans Kitab Hadi al-Arwah et la Bilad al-Afrah, Ibn al-Qayyim il y fait référence, tu n'as pas compris comment Ibn al-Qayyim procède. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il ramène les aqwal qui existent dans les madahib et les tawaif, après il rajah. Et des fois il arrive que na'im il ne rajah pas. Et il y a beaucoup de gens, mais même des savants, qui ont confondu le rapport qu'Ibn al-Qayyim il ramène sur certains groupes ou bien certaines personnes, et ils l'ont attribué à Ibn al-Qayyim. Mais si tu veux une preuve qu'Ibn al-Qayyim ne voit pas que l'enfer disparaît, retourne à Sharh al-Wabil al-Sayyib. Al-Wabil al-Sayyib, c'est un livre d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que Ibn al-Qayyim a lui-même expliqué. Al-Wabil, c'est la pluie, al-Sayyib, c'est la bonne. Elle qui laisse des traces, qui fait pousser les fleurs, qui donne la vie. C'est un livre d'Ibn Taymiyyah dans le dhikr. Et Ibn al-Qayyim, dans ce livre-là, il dit bien clairement que l'enfer, pour les kuffars, ne disparaît jamais. Et qu'ils y sont éternellement, ils n'en sortiront jamais, qu'Allah me préserve, ainsi que vous et nos familles, de l'enfer. Taïb. Donc, ne répétez pas tout ce que vous pouvez entendre. Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhima, ne disaient pas que l'enfer disparaîtra. D'ailleurs, l'il-Fa'ida, il y a un des élèves de Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi, hafidahullah, qui a fait un livre dans lequel il prouve qu'Ibn Taymiyyah ne disait pas ça aussi. Et Cheikh al-Rajihi, il a fait le taqdim. Il a fait la préface. Retournez-y pour ceux qui veulent plus de précision. Taïb. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il est resté avec Ibn Taymiyyah jusqu'à ce qu'Ibn Taymiyyah meure, rahimahullah, qui était ceci, qui était en l'année 728. Et il y a des gens qui ont dit qu'Ibn al-Qayyim, c'est une copie conforme d'Ibn Taymiyyah. Wa hadha khata. Aïdan. Et ça, on peut le prouver de différentes façons. Premièrement, le fait qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il ait fait référence à des sujets qu'on ne trouve dans aucun écrit d'Ibn Taymiyyah. Par exemple, les sujets abordés dans le kitab Miftah Dar Sa'ada d'Ibn al-Qayyim, ainsi que dans Zayd al-Ma'ad, dans Hadi al-Arwah et dans d'autres livres d'Ibn al-Qayyim, font référence à des sujets qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, n'a pas abordés dans ses écrits. Deuxièmement, dans certains des avis qu'il avait dans des masaïl fiqhiyya, dans des cas de fiqh. Il y a des exemples dans les livres que j'ai trouvés, mais rien que pour expliquer l'exemple, je crois qu'on en a pour une demi-heure. Donc, al-Hasil, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, n'était pas... Je m'abstiens de vous faire part de ces exemples, pas en vous dénigrant ou bien en me disant que vous n'avez pas le niveau, mais c'est les dhikr al-waqt, faqat. Hacha. Et donc, il y a dans beaucoup de cas, Ibn al-Qayyim n'était pas d'accord avec Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh. Et dernièrement, dans le fait qu'Ibn al-Qayyim avait des fois, dans une seule question, un ou deux avis. Ou bien des fois, il avait un avis et dans un livre, et dans un autre livre, il disait, j'ai changé d'avis, je suis passé dans cet avis-là. Ce qui prouve qu'il bâtissait ses convictions en fonction de l'étude qu'il avait des textes, pas en fonction de ce qu'il a pris de son cheikh. Il y a même des savants qui ont été jusqu'à dire qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il était plus fort qu'Ibn Taymiyyah dans certains domaines. Hein? Il y a des savants qui ont dit qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, était plus fort qu'Ibn Taymiyyah dans certains domaines. Notamment dans tout ce qui a un lien avec Tazkiyatun Nafs, la purification de l'âme, avec Marad Amrad Al-Quloub, les maladies du cœur, et notamment aussi dans la façon de répertorier et de classer les thèmes abordés dans un seul livre, et autres. Hakada. Donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a laissé un impact très, très fort dans Ibn al-Qayyim, dans sa façon de comprendre les textes, dans sa façon de comparer les avis et dans la méthodologie de toujours revenir aux paroles des plus prédécesseurs. De toujours revenir aux paroles des plus prédécesseurs et de tenter
de sortir, d'extraire au maximum les règles et les moralités des textes et de ne pas s'écarter des textes. فالقول كما يجيب ابن القيم رحمه الله ضمن نونية العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. La science, c'est Allah a dit, son messager a dit, et les compagnons ont dit, هم أولو العرفان. Ce sont eux, les détenteurs de la connaissance. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين رأي فقيه ورأي فلان. Hein? La science, ce n'est pas la science, ce n'est pas ta part dans la divergence de façon idiote. Je prends ici et là sans réfléchir, en comparant entre la parole de un tel et un tel. Non, c'est revenir au dalil. Voilà, cette qasida fait référence à de nombreux points. À de nombreux points, même un passage dans Wasf al-Jannah, quand il parle des chants des femmes du paradis. Hein, vous connaissez le hadith que quand l'homme il arrive au paradis, ces femmes du paradis l'accueillent en lui chantant des chansons. Nahnu al-khalidatu fala namutna. Hein? Nous sommes les immortels, nous ne mourrons pas, et ainsi de suite. Et bien, Ibn Qayyim parle des chansons des femmes du paradis avec lesquelles ils accueilleront leur mari. Après, il parle des chansons, de la musique dans ce bas monde. Il parle de la musique. Et il y a un passage dans cette qasida, elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique et il te convainc avec des paroles claires que la musique, il n'y a aucun khayr dedans. Il n'y a aucun khayr dedans. Ala kulli hal. Dis-moi, c'est mon fils, barakallahu fik. Ala kulli hal. Ibn Taymiyyah rahimahullah a vraiment joué un rôle important dans la formation d'Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi. Ce qui montre et ce qui nous apprend à nous tous, mes frères, que un des points les plus importants pour bien apprendre son dîn, c'est s'accrocher aux grands savants. S'accrocher aux grands savants. Wallahi, mes frères, on a l'opportunité de vivre dans une époque où on a des très grands savants encore vivants, qu'Allah nous les préserve. Et en plus, qui sont joignables. Si tu ne peux pas aller les voir sur place, tu peux les appeler. Si tu n'arrives pas à les appeler, tu peux leur envoyer un fax. Si tu ne peux pas leur envoyer un fax, tu peux leur envoyer des emails. Moi, j'ai réussi à avoir des réponses à des questions en envoyant des emails. A Cheikh Al-Fawzan, à Cheikh Al-Rajihi, à Cheikh Najmi, rahmatullahi alayhi, et d'autres. Voilà, et c'est faisable. Et quand tu pars sur place et qu'ils sont devant toi, ça c'est... Ah, mais pas mieux, Wallah. Wallah, comme il disait Salaf, il disait, quand vous êtes à la Bel'in, il y avait 5 étapes. La première année qu'on arrivait devant Shir, on faisait rien. On regardait. Regardez qui ? Regardez le Shir. La deuxième année, pendant un an, regardez le Shir. La deuxième année, ils écoutaient le Shir. Écoute, subhanallah, salaf, comment ils faisaient. Et tu comprendras comment ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Et compare avec comment nous on fait, et tu comprendras le reste. La deuxième année, on écoutait. Mashallah. Ils écoutaient, c'est tout. Pas un stylo, pas une feuille. La troisième année, on prenait des notes. La quatrième année, on apprenait. Ils apprenaient les notes qu'ils avaient prises l'année dernière. Et la cinquième année, on posait des questions. Wow. Toi, 5 minutes, tu t'arrives à tenir, psartek. Oulala, Cheikh Fiswal, Cheikh Fiswal, Cheikh Fiswal. Et c'est parti. Eux, c'est salaf, rahmatullahi alayhim, yasbiroun, 5 sanawat, yata'allamouna fiha. عبر نظرهم إلى العلماء الأدب والأخلاق والسمت الحسنة ثم يسمعون منهم العلم وجريانه إيش على ألسنتهم ثم يتعلمون كيف يكتبون ويقيدون هذه المعلومات الجامة
الغافرة ثم يحفظون ويتعلمون ما قيدوه في السنة الماضية ثم يسألون الشيخ عما أشكل عليهم. Voilà comment il faisait. فأين نحن منهم؟ Où nous sommes-nous? طيب. Je me souviens en 2004, ça c'est standards de Cheikh Salah Al-Haydan, Hafidahullah, et donc il a répondu à des questions. Après, quand il a fini, il était toujours assis à côté de nous. Il discutait avec des gens et il y a un frère qui parlait avec moi. Je ne sais plus de quoi on parlait. J'ai parlé d'une masala de Cheikh Albani, rahmatullah alayhi. Il y a quelqu'un qui m'a entendu, il vient me voir, il me dit « T'es un élève de Cheikh Albani ?» Je dis « Non, 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 wallah, j'aurais aimé, mais malheureusement, on s'est réveillé trop tard. Hein » Et alors il commence à me poser une question. Je dis « T'es malade ou quoi toi ?» Tu vois, il y a Cheikh Al-Haydan, il est là, 2 mètres de toi. Et tu vois, tu me poses une question parce que j'ai dit « Cheikh Albani ». J'ai même pas dit qala Rasulullah ou bien qala Fulan ou laka. J'ai juste dit Cheikh Albani, c'est tout. J'ai rien dit d'autre avec. Je fais que t'as un alim à côté de toi, mon frère. Tu veux que moi je te réponde à une question alors que lui il est à côté? Va le voir, subhanallah. Il n'a pas été le voir. Pourquoi Allah alim, je sais pas, mais il n'a pas été le voir. À la kulli hal, Allah, on a beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre. Quand on va à Mecca et qu'on passe plus de temps à Ben Daoud à comparer entre le Mac Humper de Burger King et le Big Tasty de McDonald's parce qu'ils sont halal, et qu'on oublie de visiter les maktabat et les ulama, fait mushkila mes frères. طيب اختم حديثي هذا والله الكلام حول حياة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله طويل. On va finir ce discours avec la mort d'Ibn Qayyim رحمه الله. Allah عز وجل القرآن tout ce qu'il y a sur elle, sur terre, est voué à la perdition. Allah dit subhanahu wa ta'ala, kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Il ne reste que le visage de ton Seigneur, le plein de magnificence et de bonté. Et dans le verset Allah azza wa jalla dit, kullu shay'in halikun illa wajha. Tout est voué à la destruction sauf son visage. Et Allah azza wa jalla dit, walaw وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Et nous n'avons pas donné à quelqu'un avant toi l'immortalité. Est-ce que si toi tu meurs, eux ils vont rester vivants? Et par le prophète عليه الصلاة والسلام. Et comme il disait le شاعر, ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. Si ce bas monde il restait pour ceux qui y vivent, et ben le prophète عليه الصلاة والسلام il serait vivant, il resterait aussi. Mais il est mort. Et les autres, et tout le monde meurt. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu vas mourir et ils vont mourir. On va tous mourir, mes frères. As-salihun wa at-talihun. Al-muttaqun wa al-mujrimun. Al-muslimun wa al-kafirun. Kullun sayamut. Tout le monde va mourir. Sunnatullahi azza wa jalla fi khalqih. La tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa voix dans sa création, c'est que tout le monde meurt. Wa huwa al-hayyu alladhi la yamut. Et place ta confiance en celui qui est vivant et qui ne meurt pas. طيب. Ibn Qayyim rahmatullah alayhi, il a été. Il faut baisser le son apparemment. Ibn Qayyim rahmatullah azza wa jal, il a été mis en prison avec son cheikh pour l'histoire de. السفر بالسن عفوا بقصد زيارة قبر الخليل. Le fait de voyager dans le but de visiter la tombe d'Ibrahim alayhi salam après la fatwa qu'ils avaient fait, lui et son cheikh. Ils ont été mis tous les deux en prison dans des cellules séparées. Al-Qul'a fi Dimashq. Cette prison existe toujours. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, cette année-là, l'année 628, il est mort en prison. Chauffe l'ulama, il meurt en prison rahimahumullah. Et dans de nombreuses fois où Ibn Taymiyyah il a été mis en prison, lui aussi passait pas son temps à se tourner les pouces. Pour réviser, il écrivait sur les murs. Il écrivait sur les mulahadith, et les afawahid, et les aqwal, et tout ça. Et lorsqu'il sortait, ses élèves, ils étaient impatients de voir la cellule et de tout recopier.
Et quand ils allaient comparer les paroles avec ce qu'il y avait dans les livres, ils ne trouvaient aucune erreur. Taïb, Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wa qaddas Allahu ruha, il meurt en 628. 728, pardon. En 728, Hassan Barakallahu fik, il sort, et il meurt et ils font sortir Ibn Qayyim. Et Ibn Qayyim rahmatullahi écoute sa da'wa. Et il a des élèves, des grandeurs, des savants, des lumières. La lumière, elle donne la lumière. Ibn Taymiyyah rahmatullahi était une cause pour Ibn Qayyim. Et Ibn Qayyim rahmatullahi était une cause pour de nombreux savants. Parmi eux, Ibn Kathir, sahib al-tafsir, ghaniyun. Ah, on m'a dit, il fallait pas dire ça. Mashhour, très célèbre, se passe de. Comment dirais-je ? De descriptif. On a Ibn Rajab al-Hanbali. Et celui qui lit Ibn Rajab al-Hanbali, il sent l'odeur d'Ibn al-Qayyim. Pour les connaisseurs, la Ta'if al-Ma'arif d'Ibn Rajab, ou bien Jami' al-Ulum wal-Hikam, ou bien Sharhuhu, le Kitab al-Iman, min Sahih al-Bukhari, ou bien ses différents tafsirs, Nourun ala Nour. On a Al-Zahabi, rahimahullah, المؤرخ الحافظ المحدث صاحب سير أعلام النبلاء صالح صاحب تذكرة الحفاظ وغيرها من المصنفات العظيمة qui a fait de nombreux ouvrages, des encyclopédies dont on ne peut pas se passer. Il y a Al-Subki, il y a Al-Fayrouz آبادي صاحب القاموس من طلبة الشيخ ابن القيم رحمه الله et d'autres qui sont très nombreux. Et voici que dans la nuit du jeudi 13 du mois de Rajab, dans l'année 751, qu'Ibn al-Qayyim رحمه الله, alors qu'il avait 60 ans, rend son âme à son maître. Après de nombreuses années dans Talabul Ilm et dans le djihad, Wallahi, hada djihad. Talabul Ilm, wa da'wa in Allah, min a'zami al-djihad. C'est quoi la preuve que la science, l'apprentissage de la science et le fait de la donner, c'est un jihad. C'est le verset où Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans sourate Al-Furqan, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. N'obéis pas aux mécréants et combat-les d'un grand combat. Yarhamukallah. J'espère que ce n'est pas la grippe 1. Cette sourate, mes frères, elle fait référence au jihad. Et pourtant, elle a été révélée à Mecca بِالتِّفَاقِ الْمُفَسِّرِينَ. Et là, Allah Azza wa Jalla faisait référence à quoi ? À da'wa. وَالْمُنَاظَرَ وَالْإِحْتِجَاجِ وَدَحْضُ إِشْ حُجَاجِ الْكَافِرِينَ. À la prêche, au fait d'argumenter et d'annuler les arguments des mécréants. Des mécréants. بِالْعِلْمِ Hada bil'ilm. Même hatta certains savants, ils disaient que l'encre des savants est meilleure auprès d'Allah que le sang des martyrs. Hein? L'encre des savants est meilleure auprès d'Allah que le sang des martyrs. Parce que le martyr, quand il meurt, fisabilillah, quand il meurt là, c'est fini. C'est-à-dire que sa récompense, elle ne le touchera que lui. Et le khair qu'il a fait sera restreint à lui. Alors que le alim, le khayr qu'il laisse après sa mort, il reste et il subsiste. Regardez, 1000 ans plus tard, à peu près, j'exagère, mais de nombreux siècles après la mort d'Ibn al-Qayyim, on est là en train de parler de lui, rahimahullah. C'est comme si on le connaissait maintenant. Et ça, mes frères, ça nous montre une chose, comme les savants nous disent, c'est l'ikhlas, la sincérité, le sidq, la véracité. Trouvez-moi des musulmans qui ne connaissent pas Ibn al-Qayyim.
Trouvez-moi des mosquées dans lesquelles on ne trouve pas les livres d'Ibn al-Qayyim. Trouvez-moi des gens qui prétendent étudier la science et qui n'ont jamais lu un livre d'Ibn al-Qayyim. Trouvez-moi des gens qui n'ont pas chez eux Kitab al-Ruh ou bien Hadi al-Arwah, son livre dans lequel il décrit le paradis. Des années plus tard, des siècles plus tard, et nous tout le temps on dit quoi? Rahmatullahi ala Ibn al-Qayyim. Et on lit ses livres. Et on apprend. Et on évolue. Et on prend la maturité. Et on, inshallah, par sa cause, on devient meilleur. On se remet en question. On se remet à notre place. Parce que il nous a éduqués à travers ses écrits des siècles plus tard. Toi, des fois, ton enfant, tu lui répètes 26 fois en une minute, touche pas à la lumière. Il te regarde et il éteint la lumière. Je dis ça avec l'expérience. Taïb. Lui, il écrit une phrase dans un livre. Et 800 ans plus tard, eh ben, tu l'écoutes. Et tu fais dua pour lui. Et tu fais du khayr et les hasanat qu'Allah il te donne, eh ben, il les gagne lui aussi. Et ça, mes frères, ça prouve quelque chose. Ça prouve sidq an-niyya. Ça prouve la véracité dans l'intention. Et ça prouve l'ikhlas. Que si s'il avait un objectif, Ibn al-Qayyim, c'était le visage d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé dans cette communauté. Lorsqu'il est mort, rahimahullah, ils ont prié sur lui dans deux grandes mosquées de Damas. Et il y avait énormément de gens qui se bousculaient pour pouvoir porter son corps et pour pouvoir être dans les premiers rangs lorsqu'ils prièrent sur lui. Et comme il disait l'imam Ahmad, rahimahullah, Bainana wa bainahum al-janaiz. Entre nous, Ahlul Sunnah, et eux, Ahlul Bida'a, les Janaïs, quand eux, ils meurent, il n'y a personne qui prie sur eux. Ou bien, très peu de personnes. Ils meurent et on les oublie. Amma ulama'una, al-Rabbaniyoun, al-Abraru al-Salihoun. Eux, quand ils meurent, c'est un choc immense pour la Ummah. C'est pire que si on t'avait annoncé la mort de tes parents. C'était la valeur des savants. Et les gens, ils prient sur ces savants-là, ils pleurent sur eux. Et ils sont tristes. Et ils se bousculent pour pouvoir porter son corps. Et ils se bousculent pour pouvoir l'enterrer. Et des siècles plus tard, on invoque toujours pour eux la miséricorde. On invoque toujours pour eux le pardon. Et on demande à Allah qu'il les récompense de la meilleure façon pour tout le bien qu'ils ont fait pour nous. Il a été enterré donc à Damas. Et sa tombe, hatta al-an, est toujours visible. Elle est proche de Bab al-Saghir. Et il est enterré pas loin de sa mère, qui était enterrée, bien entendu, là-bas aussi. Celui qui veut plus de précision, je l'invite à consulter le livre de Bakr Abu Zayd, rahimahullah, hein, Ibn al-Qayyim, wa atharuhu al-ilmiya, un livre dans lequel il fait donc sa biographie, et qui est très bien, que je conseille, dans lequel il y a beaucoup de fawa'id en dehors de la biographie d'Ibn al-Qayyim, et d'autres livres dans lesquels vous trouverez des éléments sur Ibn al-Qayyim. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est lisez Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Chaque fois que vous trouvez un livre d'Ibn al-Qayyim, eh ben, prenez-le et mettez-le dans votre bibliothèque. Si vous ne pouvez pas lire maintenant, ce n'est pas grave. Vous allez prendre l'arabe, inshallah, on va tous apprendre l'arabe. Et on va lire les livres d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et on va lire les livres d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, comme les savants, les grands savants nous conseillent. As'al Allah Azza wa Jal, an yataramada ou an. أن يرحم شيخنا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمة واسعة وأن يجزينا عنا خير الجزاء وأوفره سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم